les cadavres se montaient à 30 piles hier, 10 rien qu'à Heywood, grâce à notre fabuleuse guerre des gangs. On compte aussi un policier, alors gaffe à vos culs, parce que le NCPD va pas laisser passer ça. Nouvelle coupure de courant à Santo Domingo, encore des netrunners occupés à trouer le réseau électrique. Tandis que dans les rues de Westbrook, la Trauma Team décolle les victimes des cyberpsychos de la chaussée. Et à Pacifica ? Eh bien, Pacifica reste Pacifica. C'était votre ami Stan. Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves. Voilà, bonsoir à tous. Bon, mais troisième stream ce soir, qui conclura un petit peu le week-end dédié à Cyberpunk, dédié entre guillemets, dans mes streams. Donc ça commence dans 3 minutes. Et par rapport donc aux deux derniers jours, là on va être sur le tout dernier patch, donc on va peut-être voir une différence, je ne sais pas encore. Je ne l'ai pas du tout testé, donc on verra en direct. Vous verrez si vous êtes venu sur les deux derniers streams. Vous verrez s'il y a une différence voilà, par rapport à la toute première version que j'ai eue, hein, qui, un patch qui datait d'avant la sortie, hein, donc a priori ce serait le deuxième patch pour Xbox One S en tout cas, voilà. Donc le patch est sorti hier soir ou hier en fin d'après-midi, mais on n'avait pas eu le temps de le télécharger et je m'en suis aperçu au début du stream. Donc voilà, c'est pour ça qu'hier on a streamé sur l'ancienne version, la 1.02, visiblement. Là on a 1.04, normalement, si le menu l'affiche, en général il l'affiche. En bas à gauche, non, cette fois-ci, on verra.
Ah, ils sont sympas de montrer des trucs sur GOG, etc. Là, mais... Du coup, si je stream, ils sont sympas. C'est quand même incroyable. Donc voilà. Très bien. Bon. Eh bien, on va pas tarder, hein, dans 1 minute. Ça démarre. Donc voilà, le stream démarre. Il est 20h bientôt, 20h30. On va démarrer, donc on est un petit peu en avance par rapport au stream habituel. Donc je le répète, on redémarre donc sur la version 1.04 qui change un petit peu d'hier. On va voir comment. Je ne sais pas du tout en quoi a consisté ce patch d'une quinzaine de gigas. Mais on va continuer déjà là où on en était. On va voir. Si on a de meilleures performances, ou... enfin, j'espère que ça casse pas des trucs par contre, parce que j'étais assez content de la version que j'avais jusque-là. Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, saviez-vous qu'un porte-avions d'Arasaka venait d'accoster à Night City? Il a été baptisé Kujira, la baleine. Apparemment, la Corpo l'estimait menacée dans les eaux japonaises. Il craignait que des pêcheurs locaux le harponnent pour mener des recherches scientifiques. Non, là, franchement, c'est assez osé. Je sais pas comment Militech va réagir. Myers va peut-être envoyer une vieille forteresse volante B-17 survoler le siège d'Arasaka. Oh, je vais peut-être un peu trop loin. Je ne voudrais offenser personne. Je voulais dire la présidente Myers, bien sûr. Dans tous les cas, il faut respecter la fonction. Quoi qu'il en soit... Donc on a des temps de chargement similaires. À peu près. Hein. Et ce suspense de l'écran noir. Va-t-on voir quelque chose? Ok, V, on se concentre. Il faut qu'on trouve où Yorinobu garde cette relique. Evelyne, elle... J'ai senti sa peur. Mais elle a vite réussi à se reprendre. J'ai dit non. Je vais y laisser ma tête. Alors, vous périrez pour une bonne cause. Mais je... Mets-toi à l'aise. J'en ai plus que un poil moins fluide, hein, je sais pas ce qu'il en est. Je sais pas ce qu'il en est réellement, en fait. Alors, attendez, je reviens sur... Voilà, ça marchait plus. Donc, nous allons revenir. Veuille laisser ma tête. Donc là, on était dans le... Dans une sorte de... Je vais y laisser ma tête. Alors, vous périrez pour une bonne cause. Mais mets-toi à l'aise. J'en ai plus que pour 1 minute.
Nous serons bientôt fixés. Mon père est un vieillard aveugle et fatigué, qui croit que rien ne changera, et qu'il pourra vivre éternellement dans sa petite bulle. Vous allez écouter ça. Sablo est un despote obsédé des Orvas. Donc voilà, là on est dans une sorte de simulation virtuelle où on voit des... Est-ce qu'on peut scanner son téléphone? Comment faire d'ailleurs? Mon père est un vieillard aveugle et fatigué, qui croit que rien ne changera, et qu'il pourra... Une sorte de simulation qui permet donc de vivre des moments dans la mémoire donc d'une personne. Écoutez ça. Sablo est comme si on y était. Pas mal, le champion. Déconnecté de la réalité. Gégé dans une vision dépassée d'un monde qui n'existe plus. Un monde qui n'a peut-être jamais existé. Lui et moi sommes en désaccord depuis près de 20 ans. Et ce n'est pas prêt de changer. C'est noté. Ce sera... Il a raccroché. Retourne au début de la conversation. Faut que j'entende absolument tout. Donc là, en gros, dans cette phase du scénario, on scanne tout ce qui se passe dans une scène de manière audio ou visuelle. J'ai dit non. Je vais y laisser ma tête. Alors, vous périrez pour une bonne cause. Mets-toi à l'aise. J'en ai plus que pour une minute. Nous serons bientôt fixés. Mon père est un vieillard aveugle et fatigué, qui croit que rien ne changera, et qu'il pourra vivre éternellement dans sa petite bulle. Vous allez écouter ça. Sablo est un despote qui a l'esprit confus, déconnecté de la réalité. Piégé dans une vision dépassée d'un monde qui n'existe plus. Un monde qui n'a peut-être jamais existé. Lui et moi sommes en désaccord depuis près de 20 ans. Et ce n'est pas prêt de changer. C'est noté. Ce sera tout. Désolé pour l'attente. Les affaires, c'est parfois pénible. Tu as fait vite. Je n'ai même pas eu le temps de m'ennuyer. Est-ce que tout va bien? Tu as l'air un peu tendu. Ça me passera dans un moment. Je peux te donner un coup de main. À une condition. Toi, tu veux m'imposer quelque chose à moi? Juste une chose. Concentre-toi. Sur moi. Il te reste des friandises? On s'est bien amusé la dernière fois. Dans la chambre, la table de nuit. J'ai une idée. Je reviens tout de suite. Très joli. Allez, viens par ici. Une seconde. Je veux un truc qui soit parfait. Ah, oh, ça devrait te plaire. Oh putain, j'ai vraiment l'impression de... V, la mission, concentre-toi. Voilà, Ikome. Tu m'as manqué, toi. Je sais. Ce qui disparaît, le truc, chaque fois. Alors on peut changer de couche pour passer sur l'audio ou le visuel. Là, il y a des choses que je voudrais voir. On peut vraiment analyser tout ce qu'il y a. La relique doit être stockée dans un endroit très froid. Alors, la puce doit rester au congélo. Ouais, autrement elle pourrait se détériorer. On peut vraiment prendre n'importe quel point de vue.
On devrait repérer plus facilement où Yorinobu garde la puce. Chargé, mais il y a le cran de sûreté. C'est bon à savoir. Une fois sur place, faudra pas oublier que ce crasher est là. Ok, donc on va revenir un petit peu en avant. Il y a un moment assez important, j'imagine, quand on... Juste une chose, concentre-toi sur moi. Là, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Merde, des caméras bourrées de nouvelles tech. Capteur de mouvement, activateur de signature thermique, IFF. T'arriveras à tout neutraliser? Avec mon talent. Salut Cédric. Facile. Je dois juste accéder à leur... Bienvenue à toi. Donc ce qui est bien, c'est que malgré qu'on n'ait pas sauvegardé, on s'est retrouvé directement en fait sur cette scène. Qui est dans le simulateur là, je sais plus, le truc sensoriel. Système tous reliés au serveur. Tu peux les couper? De l'extérieur? Impossible. Faut que j'entre. Je dois d'abord vérifier leur connexion au système. Donc on va réanalyser le tout début. Quand on voit l'appareil. Avant. Voilà, je suis dans la danse sensorielle, mais je viens d'arriver là-dedans en fait. Hein. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Voilà, ça, j'ai pas repris depuis le tout début. Quand tu rentres dans le club. J'ai entendu des petits malins sur un forum. Ce serait une vraie passoire à donner. Je vais générer des clés. Je peux contrefaire leur signature. Apparemment, tous leurs systèmes de sécurité sont connectés au sous-réseau de l'hôtel. On a besoin du flathead. Il n'y a pas d'autre moyen de couper ces systèmes. On peut pas les contourner nous-mêmes? Non. Je sèche sur ce coup. T'es qu'un vulgaire bout de viande baisable. Un vulgaire bout de viande baisable. C'est sympa quand même. J'ai dit... Non, je vais y laisser ma tête. Alors, vous périrez pour une bonne cause. Mais mets-toi à l'aise. J'en ai plus que pour une minute. Oh, du Donagi. On dirait que Monsieur Arasaka avait quelque chose à fêter. Tu pensais vraiment trouver la puce là-dedans? Ça risque pas. La température est trop basse et pourrait varier. Mais bien tenté. Je vois des choses intéressantes. Mon père est un vieillard aveugle et fatigué. Qui quoi? Juste un frigo high-tech. La température correspond pas à la doc, tu trouveras rien là-dedans. Là, j'avais vu quelque chose, on va voir si rien c'est ne ça. Changera. Enfin, on a oublié des trucs visiblement. Des choses plus proches. Nous serons bientôt fixés. Qu'est-ce qui serait à sa portée qui pourrait nous intéresser? Non, il y avait vraiment que ça là. Bien, je capte la signature thermique. Ses caractéristiques correspondent à la doc. La mallette de Yorinobu est là, aucun doute. Mm-hmm. Ah non, je te disais que j'ai repris à cet endroit-là. J'ai pas du tout repris depuis le début à l'entrée dans le club ou je sais pas quoi. Donc on va laisser avancer. Par contre, on va changer de piste. Mon père est un vieillard ayé. Que pour une minute. Le programme est encore en phase de test. Nous ne pouvons pas le commercialiser en l'état. Nous serons bientôt fixés. Je vous en prie, parlez-en à votre père. Il a suivi ce projet de très près. Il pourra vous expliquer les risques de... Mon père est un vieillard aveugle et fatigué, qui croit que rien ne changera.
et qui alors, on va l'écouter depuis le début. Éternellement dans sa petite bulle. Je ne devrais même pas écouter de telles choses. Vous allez écouter ça. Sablo est un despote qui a l'esprit confus, déconnecté de la réalité, piégé dans une vision dépassée d'un monde qui n'existe plus, un monde qui n'a peut-être jamais existé. Louis et moi sommes en désaccord depuis près de 20 ans. Et ce n'est pas prêt de changer. Lisez attentivement la documentation. La relique a besoin de conditions de stockage particulières. Vous devez les respecter. On a déjà vu cette doc. Va chercher ailleurs. Ok, donc on va reprendre juste avant. On voit que en fait ce qu'il faut faire. On va repartir du début, on va avancer jusque là. Donc c'est pas mal, on se retrouve un peu dans le rôle d'un enquêteur. Je vais y laisser ma tête. Alors vous périrez pour une bonne cause. Mais toi. J'entends un ronronnement. Ventilation et clim. Sûrement des serveurs. Faut bien contrôler les gadgets qu'il y a ici. J'en ai plus que pour une minute. Le programme est encore en phase de test. Nous ne pouvons pas le commercialiser en l'état. On se sent un peu dans NCIS version... pas NCIS, mais un petit peu dans le truc d'analyse. Mon père est un vieillard aveugle et fatigué, qui croit que rien avancé, ne changera. Hein. Et qu'il pourra vivre éternellement dans sa petite bulle. Je ne devrais même pas écouter de telles choses. Vous allez écouter. Pour l'instant, on a tous les éléments qu'on veut, sauf les derniers. Qui a à la fin. On va aller plus vite, visiblement. Connecté de la réalité. On va aller jusqu'au dernier stream. Un peu dans une sorte de Minority Report aussi, quelque part. Un truc qui soit parfait. Ah, oh, ça devrait être. On peut analyser, sauf que là c'est après coup, bien sûr. Donc là je vais montrer ce qui se passait. Ah, oh, ça devrait te plaire. Tac. Donc là, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? Un modèle standard pour les hôtels de ce standing. Voilà. Bon, c'est pas forcément une partie très voilà, très dynamique, très active. Donc là, visiblement, on a vu tout ce qu'on avait à voir. Donc on va sortir. Donc déjà, on sort du mode lecture. Et j'imagine que pour sortir, on appuie sur B. Voilà. Pas forcément un élément des plus dynamiques dans le jeu, hein, puisque voilà, on est vraiment dans un jeu qui n'est pas juste un FPS action boum boum boum, hein, bien sûr. Il y a des phases scénarisées, bien sûr, et puis il y a des phases voilà, en mode détective. Ce qui s'avère être assez sympathique, malgré que voilà, au début, c'est un petit peu... c'est un petit peu perturbant quand on ne connaît pas trop le style. T'as tout ce qu'il te faut? Oui, voilà, ouais, c'est ça clair. Ça va le faire. Merci, Judy. Ça, bon. Ça tranche un petit peu avec le reste du jeu qui t'as est... T'as fait du bon boulot. À plus. Donc là, j'avais rien changé. Visiblement, il y a beaucoup moins de grains dans cette version-là. Il y a beaucoup moins de grains, mais au détriment un peu du... Je sais pas. Quelque chose qui est moins... Garde-le, je vais mettre ça sur l'ardoise dev. C'est un appareil portatif de gestion de DS, j'ai chargé tes paramètres de calibrage. Un petit peu le rendu d'hier. C'est moins sophistiqué que notre matos, mais ça devrait faire l'affaire. Et ça t'évite les ennuis. C'est pas con. Peut-être que la définition est légèrement meilleure, on verra dans les phases... Vous savez à quoi vous êtes pensé ? Vous me faites les penser plus à deux morts graphiques en extérieur, etc.
Relax. Tout va bien se passer. Si vous merdez. En tout cas, j'ai l'impression que ça tourne moins bien niveau framerate. Ça n'arrivera pas. Je suis un peu dégoûté, mais bon, voilà, on verra bien. Pas de risque inutile. On va repasser à des endroits où on a déjà été. Alors sois prudente. Je le serai. Mais je sais pas, j'ai l'impression que l'ambiance lumineuse est moins marquée. V, une seconde. Merci pour tout, Judy. Et t'en fais pas. Je sais ce que je fais. Viens avec moi. Alors, t'en dis quoi ? Je crois que j'ai compris comment vous en savez autant sur Yorinobu. C'est simple. Les hommes parlent un peu trop sur l'oreiller. C'est qu'une question de sexe, alors. Ce sont les affaires, et rien que ça. Je sais pas, le rendu d'hier me plaisait plus. Sûr que Yorinobu s'attend pas à un coup tordu de votre part. Même s'il y avait moins de définition, j'ai l'impression que les éclairages étaient plus... Il est bien trop occupé avec Netwatch pour s'intéresser à moi. Et puis, on voyait moins les objets... Il n'y aurait pas à s'en faire. Je sais pas, les objets ont l'air très... éclairé de manière très crue, très simple. On verra ce qu'il en est sur les endroits où je me souviens un petit peu plus. Arasaka va enquêter sur tous ceux qui ont été en contact avec Yorinobu. La liste risque d'être longue alors, et pleine de noms importants. Des gens plus en vue que moi. Tu crois qu'ils vont d'abord se concentrer sur... Ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Les corpos influents et les assassins. Ou une petite chose comme moi. Je pense, ouais, c'est dommage parce que j'aimais bien avoir la finesse, pas la finesse, mais le naturel, le grain, tout ça, même si c'était un peu gênant. Là, j'ai l'impression qu'on a plus de définition à la place. Des boulots pareils, il y en a un sur un million. Je sais pas après si on aura le choix. Je peux savoir où tu veux en venir. C'est trop beau pour être vrai. C'est vraiment dommage. Il est où le piège ? Tu as peur ? Tu veux te retirer du coup ? Je veux savoir si vous contrôlez vraiment la situation. Si vous allez pas me foutre dans un merdier sans nom. V, je n'ai aucune raison de t'entuber. On est dans le même bateau. Crois-moi, j'ai la situation ouais, bien on est dans le même bateau. Et on avait pas fini. V, je n'ai aucune raison de t'entuber. Elle a vu que je suis parti, ça redémarre quand je reviens. Crois-moi. J'ai la situation bien en main. Bon, et maintenant ? V, fais ce travail pour moi. Rien que pour moi, je veux dire. On partage la paye, toi et moi. Sans intermédiaire. Sans Dex. Hors de question. Dex a pris des risques en me choisissant. Il me fait confiance. Mais moi aussi. J'en fais autant, là. 50%. Avec une somme pareille sur ton compte, tu pourras te passer de Dex. Non, Evelyne. C'est pas qu'une question d'argent. Je croyais que t'étais un merc. Que c'était toujours une question d'argent. Je trahirais pas la confiance de Dex. Désolé. Même si lui nous trahira un jour, mais bon. Oublions ça. Mais, V... Quoi ? J'espère que ton efficacité est à la hauteur de ta naïveté. En cas de besoin, appelle-moi. Je vais t'envoyer mon numéro. Ok. Bonne chance. Alors, je vais juste regarder dans les paramètres. Allez, après, voir s'il y a des paramétrages possibles. Je sais pas quoi penser pour l'instant, on va voir. Comment ça se présente, monsieur V ? Alors, paramètres. Déjà, on va regarder un petit peu où nous en sommes par rapport à
Donc voilà, sous-titres divers, couper les sons de détection, désactiver la musique déposée. Bon, ça c'était les sons, les commandes, on n'a rien changé. Alors le jeu, ça on n'a rien changé non plus. Sur les graphismes, on n'a rien changé non plus. Voilà. Alors je vais regarder si la correction gamma n'aurait pas été chamboulée. Non, j'ai à peu près la même chose que la dernière fois. Si ce n'est qu'au centre, moi c'était beaucoup plus foncé, mais bon. Peut-être que c'est ça qui joue. Alors, j'essaye de voir sur l'autre écran. Non, c'était à peu près ça. Ok. On va voir. C'est vrai que j'ai beaucoup moins l'impression de grain, beaucoup l'impression qu'il y a beaucoup plus de définition. Hein. On verra bien. L'enregistrement qu'Evelyne a fait au Cône Peaky, ça valait le détour. Non, c'est pas mon problème. Fantastique. T-Bug m'a appelé. Elle fait travailler ses doigts de fée. L'année dernière, 4 heures du mat, je suis assise au bar avec... Et elle cause encore de son histoire de banque, bla bla bla. Et moi, pendant ce temps, j'essaie d'en placer... Ah, monsieur V ? Tout est prêt. On est bon. Et maintenant ? Maintenant, tu fais le travail que je t'ai demandé. Ouais. Tu voles la biopuce. Je viendrai. J'ai pas... Toi, on poursuivra cette discussion à l'afterlife. Rejoins-moi là-bas. Ok, j'y serai en moins de deux. Au revoir, ouais, monsieur. Il y a toujours des pubs qui restent un petit peu. Ça, c'était déjà le cas hier. Alors, moi, j'ai pas du tout d'écran HDR, hein, donc ça changera rien. Y'a rien, je te jure. Tu me dis pas la vérité. Je viens de te le dire. Bon, après, le rendu reste quand même tout à fait correct. Hein. Je veux dire... je sais pas. J'avais l'impression qu'il y avait plus de sombre, plus de... J'ai les dents du fond qui pèlent. Moi, j'interviens, là, j'arrive et ils sont ouais, complètement... Bon. Toujours pas de Godmiché à l'horizon. Plutôt sage comme club, je trouve. Ça semble plus propre, hein. On dirait qu'il y a plus de définition. Mais du coup, c'est cet aspect propre qui le rend, qui rend le jeu moins réel. Je sais pas. Nous verrons bien. Ça a planté un petit peu l'espace d'une demi-seconde. Chose que je n'avais pas eu jusque là. Mmh, t'es à croquer, c'est à toi. Une amie, elle travaille sur la 8e. Pas notre territoire. Elle récupère tout ce qu'on voulait. Ouais, je sais, mais elle veut se barrer. Elle se plaît pas là-bas. Les émissions de télé, ça a l'air de passer. Le souci, c'est que ça va chier, merde. J'espère justement qu'ils n'ont pas viré des détails, parce que pour moi les sols, tout ça, ça paraît très propre par rapport à ce que j'ai vu hier. Je me suis rematé un peu le stream d'hier, donc là on a vu cette personne apparaître. Alors tente, oui ou non ? En fait c'est beaucoup trop propre le sol, il n'y a pas d'ombre, c'est trop clair en fait, il y a quelque chose. Bon là il fait un petit début de matin, donc on verra bien. Mais globalement, la définition est meilleure, hein. Ça c'est sûr. Donc c'est peut-être le manque de définition qui masquait un peu la misère. Alors, d'abord sur un an, on retrouve la réalité. On n'est pas, mais... pas le récupérer. Chose que je ne peux pas récupérer.
C'est con, hein. Préféré un petit peu hier, mais bon. Quelques édits pour un vétéran. Tiens, c'est cadeau. Je savais que t'avais bon cœur. Dieu te bénisse. Ça sert à vendre des trucs, d'accord. Donc on a un double. Donc là, on a 11 000. Est-ce qu'on peut braquer un point de dépôt? Ce serait marrant. Hey, oh. Pardon, désolé. Beaucoup plus clair, hein, niveau définition, c'est sûr. On est peut-être en 720p au lieu de 540. Là, on va courir un peu, on va essayer de stresser le jeu. Bon, on voit que au très loin, voilà, il y a des lumières qui changent, des trucs qui se définissent un peu plus. Dans les environnements immédiats, bon, je vois pas de truc là-dedans. Je m'arrête là, ce mur reste un peu éteint. Il y a des gens qui laissent des mallettes avec des trucs. Avec l'arme, si ça change quelque chose visuellement. Bien défini aussi. On va éviter de braquer sur quelqu'un. Son attention. Il y a vraiment énormément de détails, hein, tout autour, etc. Ouais. D'ailleurs, je vais faire une petite sauvegarde là. Regardez la partie. Flèche droite pour récupérer la voiture. Et elle va venir toute seule, c'est ça? Ça c'est énorme. Donc là voilà, on l'a vu, elle est arrivée, elle était mal définie, mais voilà, on avait un objet qui était d'une très mauvaise définition. Mais ça a pris une demi-seconde pour qu'elle s'affiche correctement. On va se balader un peu en voiture, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On fait voir. Non, c'est pas ça. Non, d'un jeu à l'autre, ça change. C'est mieux. Ouais, l'intérieur, la définition est quand même beaucoup plus potable qu'avant. Je sais pas si je me fais des idées, j'en sais rien. J'ai l'impression que là, vraiment, c'est la définition qui a été privilégiée cette fois-ci. Pas changer de caméra, ça me saoule. Est-ce qu'il faut s'arrêter pour changer de caméra? Qu'est-ce qui se passe? Il faut s'arrêter. Bon, après, c'est pas devenu moche pour autant, hein. Le jeu est tout à fait potable. Je pense qu'après, en changeant d'éclairage, selon l'heure de la journée, il va y avoir quelques trucs. En tout cas, celle-ci est agréable à conduire. Essayer de stresser un peu le jeu et d'aller là où il ne nous attend pas. Là, j'aurais du mal à savoir si c'est une 4 roues motrices, une
traction, une propulsion. Là, c'est juste un objet que je fais avancer en fait. On sent bien les vibrations quand on passe sur les différents éléments déformés sur le sol, que ce soit des vibreurs, des dos d'âme, etc. Donc là voilà, on a un freeze, ce qui ne m'arrivait pas jusque là. Un peu flippant. Oh, dégommer, dégommer. Voilà, j'ai l'impression que ça a chargé une grosse portion et que du coup ça a fait freezer le jeu. Mais c'est vrai que ces freezes de 3-4 secondes là, j'avais pas jusque là. Alors la conduite est assez facile, hein, surtout que là on a quand même assez de FPS pour conduire de manière assez sympa. Oui, je suis sur le disque interne en 1 Tera. Là, je n'ai pas installé de jeu sur quelconque disque externe ou autre. Là, je pense que je reviens un peu sur mes pas, mais... Il avait pas mis ses phares, monsieur l'agent. Bon, après, c'est loin d'être venu hyper moche. Hein. C'est juste qu'à un moment donné, ça manquait un peu de contraste. Révélant au passage un petit peu tous les détails des objets qui sont pas forcément fous. Voilà. Après, bon, la différence n'est pas ultra flagrante. C'est pour ça que je suis un petit peu... perplexe. Je pense que j'aimerais bien la piquer celle-là. Non, porque yo tengo planes. Et bon, c'est celle de mon pote. Bien senti, mamá. Te vas a enterar mañana. Yo también te quiero, ma. C'est pas trop tôt, ese. Alors, comment va Señora Wells? Bah, tu sais, elle s'inquiète pour moi. Bla bla bla. Elle peut pas s'en empêcher. Il faut qu'elle vérifie si je suis pas mort au fond d'une pelle. Je sais pas si je les avais vus, est-ce qu'ils ont popé après coup? Je les avais pas vus. Tous ces PNJ. Ça va, plus j'ai l'impression de lui mentir comme un arracheur de dents. Je sais pas si si on revenait dans le passé il y a 30 secondes, si ils étaient. Afterlife, nous voilà. J'ai remarqué quelques petits trucs en regardant le replay. L'Afterlife, un nom qui résonne jusque très loin. Ah ouais ? Dans le replay, j'ai vu que par moment, t'allais à un endroit, tu voyais une personne qui est au comptoir, par exemple. Y a pas de meilleur endroit. Tu fais 20 mètres en arrière, tu reviens, c'était pas la même personne au comptoir. Prêt à prendre une claque ? Derrière le comptoir d'un truc de cuisine, je crois. Alors, j'ai pas refait l'aller-retour dans le replay pour regarder, mais ça, sur le coup, ça m'a un petit peu plus choqué. C'était une morgue ici avant. Alors effectivement, quand on est dans c'est les rues sales et tout, ouais, on retrouve un petit peu cette complexité. C'était bien avant notre époque. Mais quand c'est quand même plus propre qu'hier, je sais pas, c'est un peu trop propre. Hier, on avait ce sentiment vraiment de ne pas trop voir les objets tels qu'ils étaient. Vous êtes qui, les deux? On a des amis de Dexter de Shaun. Il nous attend. Hé, hey Dex. J'ai deux tympans qui me disent qu'ils ont rendez-vous avec toi. Ouais. Ok. Il dit qu'il sera dispo dans une minute. Allez vous prendre un verre. Après, bon, c'est du pop que tu vois pas trop au... Enfin... Je veux dire, c'est pas hyper flagrant, ça reste discret, donc... C'est pas comme si ils apparaissaient voilà, 2 cm sous toi, c'est pour regard, je veux dire. On voit qu'il y avait des objets à un cul. Ça avait l'air mortel. Mais pourquoi t'as pas signé pour un quatrième service alors? Désolé, je... Qui
t'imagines un peu. J'ai un peu du mal ce soir à dire ce que je pense. Même Morgan Blanc. On dirait que c'est notre tour. À formuler sous forme de phrase ce que je pense. Hey, tu vois la vieille là-bas? C'est Rogue, la meilleure fixeur de tout Night City. Je croyais que c'était Dex le meilleur. Rogue montait déjà des opérations quand Dex chiait encore dans ses couches. Cet endroit lui appartient. Qu'est-ce que je vous sers? Par contre, sur les cheveux, c'est moins bien qu'hier, hein, j'ai l'impression. Vas-y, commande. Deux tequila old fashion avec un trait de cerveza et un piment. Deux Johnny Silverhand, c'est parti. Ouais, les cheveux, ça me choque un peu plus qu'hier. Je sais pas si c'était le cas, mais... Il y en a un qui a fait ses devoirs. Le chien a dû manger les mains. Je sais pas si c'était à cause de la définition. C'est une tradition. Nos cocktails portent les noms de nos habitudes. Si je voulais avoir un cocktail à mon nom, faudrait que je fasse quoi? Te faire buter. Et de façon spectaculaire. En pleine OP, ce serait parfait. Ah, j'adore cette tradition. Comme je te dis, je pense que la seule réelle différence... C'est pas si cher payé. La seule réelle différence, c'est la définition, et c'est ça qui, à mon avis, fait la différence, justement. C'est juste le bouquet final. Parce que ça masquait vraiment la misère. C'est pour ça que des jeux PSP qui sont... À notre futur sur une définition très très basse, passe très très bien, mais si tu les agrandissais sans y appliquer des effets, etc., tu trouverais ça très moche. Ouais, enfin, fait, beaucoup moins joli que sur un écran de PSP. Tu veux écrire Marcette? Bien sûr. Un shot de vodka on the rocks, jus de citron vert. Et donc là, c'est comme dans Métro, hein, on se bourre la gueule. Faut juste éviter de trop boire. Il paraît que vous êtes les dernières recrues de Dex. On bosse ensemble, c'est tout. Quand on est bien entouré, dis donc. Monsieur Deschaune va vous recevoir. Comment tu sais ça? Ça fait partie de mon boulot. Comment tu crois que les mercs forgent leur répute? En répandant des ragots comme des lycéennes en chaleur. Voilà comment. Dex, c'est un habitué? Il vient souvent? Il avait un peu disparu de la circulation. Il a pas pointé son nez ici pendant... Je sais pas, peut-être que je suis trop attentif, justement. Il doit suivre sa propre voix, non? Ouais, ben, je sais pas où il était passé, mais il a bien fondu. Il livrait peut-être pas de pizza là-bas, en fin de compte. Comment tu sais ça? Ah merde, je voulais appuyer en haut, mais je l'ai fait avec le joystick. Comment tu crois que les mercs forgent leur répute? En répandant des ragots comme des lycéennes en chaleur. Dommage qu'on puisse pas se bourrer. Bon bah, je vous dis merde. Merci. Du coup, les baisses de framerate, ça passait peut-être aussi mieux à cause de la définition, je sais pas. C'est vrai que comme c'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus entre guillemets, on voit beaucoup plus les baisses de framerate. Il n'y en a pas trop, mais on voit que c'est pas du 30 constant, quoi. Il n'y a pas de chute libre de framerate ou quoi que ce soit, mais on voit que c'est... je sais pas. Ça se voit plus en tout cas. J'ai un peu de mal à poser des mots sur ce que je pense, en fait. Donc là, on voit bien, par exemple, dans le reflet, que le carton n'y est pas. Là, alors que jusque-là, c'était pas si flagrant que ça, parce que c'était beaucoup plus sombre. C'était beaucoup plus contrasté, en fait, au final. On cache comme d'habitude. Bon, je dois y aller. Tiens, tiens, mais c'est Monsieur V. Toute la famille au grand complet. Ha! Enfin! Une première dans l'espace réel. Et le Flathead? Voyons voir ce petit gars. Allez, ne sois pas timide. Alors, comment je leur file le Flathead? Poser le Flathead. Bon, allez. Posez vos culs confortablement. Ouais, je me pose où, moi? Cool pour ton aide dans la planque de désosseur. Quelques charognards de moi, la ville s'en portera pas plus mal. La mairie devrait carrément nous remercier. Chouette cabine, elle est insonorisée?
Jackie. Allons, allons, Monsieur Wells a raison. On va parler de choses assez sensibles. Mais si ça vous dérange pas, j'aimerais d'abord poser une question à Monsieur V. Comment ça s'est passé avec Evelyn Parker? Plutôt bien, je dirais. J'ai visité l'intérieur du cône Peaky Plaza grâce à la déesse brute qu'elle a tournée. Bug m'a déjà expliqué ça. Vous connaissez la cible, alors? Yorinobu Arasaka, le fils de l'empereur et l'héritier probable. Un homme dont le nom vaut des millions, mais sans un brin de talent. Le grand ami d'Evelyn Parker. Alors, elle voulait juste dire bonjour ou y avait autre chose? Alors, est-ce qu'on est honnête avec lui? Je sais pas. Franchement, je suis pas sûr que ce soit vraiment intéressant d'être honnête avec eux. Je crois qu'elle voulait juste voir ce que j'avais dans le ventre. Ce que t'avais dans le ventre? Après, si elle est dans les corpos, elle a plus d'influence qu'eux, donc... Ça. Donc c'est bien, il y a de la stratégie, il faut se positionner par rapport à des gens. Ok, alors c'est parti. Se positionner, prendre des choix, des risques. Tous les détails. Cette opération devrait être une vraie faire valeur. Le faux cul, peut-être. Développe, je voudrais en savoir plus. Une de la main vous déposera devant le compé qui choisir à qui faire allégeance. Tranquillement grâce à vos fausses identités. Après, avec l'aide de Bug, vous piraterez le sous-réseau de l'hôtel. Mon aide est celle du Flathead. Pour finir, vous vous introduirez dans le penthouse de Yorinobu et vous volerez la relique. Évidemment, tout doit se faire discrètement. Et dans l'idéal, sans semer de cadavres. Vous serez en lien avec T-Bug tout du long. Allez, j'attends vos questions. En fait, je sais pas pourquoi, mais je croyais que T-Bug n'était pas réel. Je croyais que c'était juste un programme. On entre comment dans le penthouse? Yorinobu a presque pas de mignons. Le plus dur, ce sera la sécurité du penthouse. Pour la désactiver, faudra neutraliser le résident du Konpeki, un être honneur d'élite qui surveille le sous-réseau de l'hôtel 24 heures sur 24. Le souci, c'est qu'il n'y a aucun moyen d'entrer dans la tente du résident. Je sais pas si ça changera énormément de choses. Attends, comment tu veux qu'on entre dans cette pièce s'il n'y a aucun accès? T'imagines tous les embranchements possibles à scénariser, c'est sans fin. Tous les problèmes que vous pourriez trouver. Parce que là, c'est une mission. C'est là que le Flathead entre en scène. Vous devez l'introduire dans les conduits de ventilation, le guider jusqu'au résident et forcer Steve à prendre une pause. Le Flathead restera là-bas, connecté au résident. Mais ça me permettra de vous dérouler. Ouais, dans le tuto, elle apparaît, mais moi je pensais pas que. Voilà. Je pensais que c'était une IA. Une sorte d'IA que tu pouvais appeler virtuellement, mais qui est implantée, quoi. Toi, tu es Ramon Victorino. Et toi, Harry Conwell. Ramon? Et on dit qu'on est là pour quoi? Pour affaire. Une vente d'armes à une corpo. Si on vous demande, vous venez pour une réunion bidon avec le représentant de la défense d'Arasaka, Haji Metaki. Autre chose? On va prendre une de la Main. La compagnie de taxi la plus premiose de Night City. Non, non, mal. De Jaune ne travaille qu'avec les meilleurs, et pour moi, de la Main en fait partie. Pourquoi s'emmerder avec un chauffeur de taxi trop curieux quand une IA peut nous mener du point A au point B avec classe? Le mystère, c'est comment il arrive à renouveler son permis tous les ans. Si tout se passe comme prévu, Delamain vous ramènera ici. Si les choses se gâtent, il vous conduira à la planque. Laquelle? Le Notel Motel. Un endroit calme où on pose pas de questions. On réfléchira à la suite une fois là-bas, mais je suis sûr que ça sera pas nécessaire. Autre chose? Je crois que j'ai tout compris. Parfait. J'ai une question, moi. Quand est-ce qu'on parle de ce qui nous intéresse vraiment? Le fric? Pour les nouveaux, la part est toujours la même et non négociable. 30%. 30? Sérieux? Tout le monde prend des risques dans cette histoire. C'est ce que valent les vôtres, d'après moi. Sérieux, Dex? Ça fait pas grand-chose, là, non? Eh, attends un peu. Qui a récupéré le Flathead? Qui a extrait les infos de la danse sensorielle? Et qui va se pointer dans un hôtel bourré d'hommes d'Arasaka pour piquer un gadget au fils du Big Boss? Sans nous, il n'y a pas d'opération. Et qui vous fournit le transport? Une netrunner balèze, un plan en béton et toutes les infos. Vous êtes sûr de vouloir jouer à ça?
C'est bon, Dex. On a pigé. On va pas être trop gourmand. Une dernière chose, le Compeki a... De toute façon, je pense qu'on va le court-circuiter à un moment donné, lui. Donc. Alors, vous laisserez vos cracheurs dans la caisse et vous entrerez avec le Flathead dans sa mallette. On a aussi des... Je sens que t'as fait une histoire complètement différente, Cédric, entre ton PC et ta console. C'est allé au-delà de l'intro. Mais quand est-ce qu'on aura nos édits? De ton origine, de ton sexe, tout ça, t'as aussi exploré différemment, j'ai l'impression. On se tourne les pouces. Vous attendez, vous faites profil bas, parce qu'Arasaka a des yeux partout. Bien, comme disait ce vieux type en Grèce, la vie est un banquet. Moi, c'est plus tard que je ferai ce que tu as dit. Votre carrosse vous attend dehors. Bon, est-ce que je vais pouvoir le récupérer, ce truc qui clignote, là, ça me stresse depuis le début. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ce plan, t'en penses quoi? J'espère bien qu'il suffira à me payer une villa de luxe en Crète, d'où j'aurai plus jamais à mettre les pieds dans le cyberespace. Tu m'enverras une carte postale? Désolé, mais je compte bien couper les ponts avec tout le monde. Changer de vie. Ça fait longtemps que vous vous connaissez avec Dex? Pourquoi? Bah, tu sais, il y a plusieurs sons de cloche. Tout ce que nous entendons est une opinion. Parfait. C'est de Marc Aurèle, je crois. Dex et toi, vous êtes deux filles. Si tu veux, je peux t'envoyer une One X Cyberpunk. Elle sert pas trop. C'est bon pour moi. Allez, au boulot. Contre 300 billets, par contre. Alors, t'es prêt? On y va. Avant, j'ai un truc à régler. Sin problemas. On se retrouve près de la Main. C'est ça, ça marche. Pas de mettre ton costume. Alors, on va mettre notre costume, combinaison, machin, chose, j'imagine. Donc, dans l'inventaire, est-ce qu'on a une combi? On a une belle combi. Waouh, dis donc. Ça, c'est la classe quand même. Hein. C'est une combinaison, mais c'est en même temps un 31. Un 31 du futur, par contre, bien sûr. Très bien, ben voilà, on est habillé. Hein. On est chaussé. On a enlevé la casquette, du coup. Hein. Je sais pas si elle y est toujours, la casquette, ou si elle est devenue invisible. Chemise de combat, tout ça. Voilà, c'est désactiver le temps que la combi est placée. La série X Cyberpunk, Cédric, je suis pas sûr. Hein. Je sais pas si elle viendra de suite, en tout cas. Ouais, c'est ce que je vois, ouais, c'est désactiver le reste. Ok, ok, ok. Donc là, on a des éclairages tardifs, hein, parfois, voilà. Comme si ça détecte, ou alors c'est la détection de mouvement. Voilà. On va dire que c'est ça. Bon, après, voilà. Pour revenir à ce que je disais initialement, alors là, on a une mallette qui est toute seule. C'est bien, dans cette version patchée, on commence à avoir des bugs. On peut pas la pousser, l'attraper ou quoi que ce soit. Elle a été oubliée par le script. C'est sur cette version patchée qu'on va découvrir des bugs, c'est ça qui est marrant. Bon, je pense que passer la porte, le script a oublié de désactiver la mallette. Mais bon, on va sauvegarder, des fois c'est mauvais signe. Oh purée. Je sens que c'est aujourd'hui qu'on va rigoler pour de vrai, en fait. Je suis vraiment déçu, par contre. De pas pouvoir revenir à la version d'hier, surtout. Je sais pas pourquoi je le sentais mieux. Mais comment tu peux dire qu'il a rien branlé alors qu'il s'est défoncé tout cul? J'ai vu une vieille photo de... Et donc là, on voit quand même que la sorte de ray tracing logiciel là, en fait, est calculé avec une vitesse de, comment dire, un framerate inférieur à la scène.
qu'on voit du ghosting autour des éléments lumineux, en tout cas. Je sais plus dans quel cas, mais on l'a vu tout à l'heure. C'est assez léger, donc c'est bien. C'est-à-dire que ça se voyait un petit peu plus par contre. Dans tous les cas, si retracing logiciel il y a, et ça existe, hein, donc c'est quelque chose qui existe, qui est utilisé. Hein. Donc là, on voit notre Johnny, non? Est-ce que ce serait pas notre Johnny? Notre Keanu Reeves. Et on peut pas l'attraper, c'est ça qui est chiant. Hier, on pouvait tout attraper très facilement. Là, je peux même pas me baisser facilement, ça galère juste pour me baisser. Hein. Pourquoi je peux pas l'attraper en fait? C'est chiant. Hein. C'est vraiment très lourd. De galérer à choper des trucs. C'est à récupérer plus tard? C'est-à-dire que je peux pas l'attraper. D'accord. Et dans ce cas-là, qu'ils le mettent pas en gris, enfin qu'il n'y ait qu'une couleur quoi. Les trucs en jaune, ce que tu peux attraper, ou en bleu, n'importe. Puis en gris, tout ce que tu peux pas attraper, mais qu'il faudra penser à récup plus tard. Enfin, je sais pas, ouais, c'est pas logique. Pour moi, il y a tellement de trucs en gris en plus que je comprendrais pas qu'on puisse pas les récupérer. Désolé. Voilà, ça je peux pas non plus. Ah si. Faut pas que je le pointe directement en fait. Faut que je sois en bordure. C'est bizarre quand même. Je peux pas me baisser quand je veux. C'est quand même n'importe quoi. Pirate. Tu te souviens de ce qui s'est passé quand tu t'es entraîné contre Pride? Beaucoup plus rapide. J'ai pas passé l'âge dans de ces conneries. Hein. Le paquet de cigarettes. Donc il y avait ça que j'ai vu tout à l'heure. Que c'est quoi, qu'est-ce que ça? On pouvait aller. Je suis parti, c'était qu'un gigantesque chantier de construction. Énormément de choses, trop, trop, trop. Donc qu'est-ce que c'est ce truc? C'est un Vachna Jokul. Je lui ai demandé pourquoi il faisait ça un jour. Pourquoi il se levait chaque matin pour aller bosser. Tu sais ce qu'il m'a dit? Ça a rien tout récupéré, ça c'est clair. Sur tous les clopes vu que je fais pas. Mais bon, c'est ma manie un petit peu de. D'essayer de tout faire bien. Compléter tout. Ça reste quand même très regardable, hein. Même si en y gagnant en définition, on y est un peu perdu. Alors, t'es prêt? Bah écoute frérot, ouais, je suis prêt. Qu'est-ce que tu veux? Elle est jolie cette voiture taxi cybernétique. Salut de la Main. Bienvenue dans ce véhicule de la Main. Avec de la Main, vos problèmes restent sur le trottoir. Putain de sa mère, un peu qui vont y rester. Les problèmes restent sur le trottoir, c'est énorme. Je ne vois aucune raison d'employer un tel langage. Ah ouais? Et la fois où j'ai voulu t'engager pour l'enterrement de vie de garçon de mon cousin, hein? Hélas, nous n'acceptons pas ce genre de contrat. J'avais économisé pendant 3 mois. Bon, c'est de l'histoire ancienne. Fonce, Del. Je croyais que j'avais eu des implants dans la main. Ah oui, mais c'était de l'autre côté.
veuillez connecter vos liaisons personnelles. Merci. Ah bah en 2077, il y a toujours des câbles. Là, on nous saoule avec le Bluetooth, le Wi-Fi, machin. Excelsior ? Le forfait Excelsior est conçu pour les clients d'exception. La qualité, c'est pas donné, tu sais. Regarde ça. De la main, active le mode de combat. Je suis navré, mais vous ne semblez pas courir de risque imminent. Non, ah, tant pis. Tu peux me croire, il dégommera une armée de ninjas d'Arasaka s'il le faut. Y a rien de plus sécurisé, ouais. C'est vrai. C'est pour ça qu'en ce moment, on nous saoule avec du sans fil. Pour nous choper nos données à distance, sans effort, voilà. Ça comprend quoi d'autre, l'Excelsior ? Une couverture santé intégrale, comprenant le transport et le traitement de la dépouille d'un client en cas de décès à bord. Oh, c'est énorme. Putain, ça plombe l'ambiance d'un coup. Ce mode de combat, c'est légal au moins ? Bien sûr, c'est garanti par le deuxième amendement. Ah bah ça va. Tant que vous êtes à bord, vous êtes en droit de me porter et de m'utiliser. Dex, c'est pas foutu de nous, là. Il prend 70% sur ce coup. Tu l'as quand même pas oublié. En tout cas, heureusement qu'en 2077, ils ont enfin compris que le sans-fil, c'était comme ça qu'on rêve d'entrer pas tellement sécurisé, avec tous ces piratages partout. C'est vraiment tout ce qui compte pour toi. Hein ? Dex peut t'acheter avec si peu. Un costume, une limo. Nous approchons c'est de pas, notre destination. J'ai un peu l'impression que t'es en train de te ramollir. J'ai plutôt l'impression que c'est toi qui as un problème. On n'est pas invité à une petite fête, Jack. On va commettre un vol à haut risque, chez Arasaka. Sérieux, V ? Tu me prends pour un débile ? Que je t'explique un truc, V. J'ai passé toute ma vie dans ce bordel qui nous entoure. Et il n'est pas question d'y retourner. Salut ! Ça roule ? Comme après s'être astiqué avec une râpe. On devrait bientôt arriver à l'hôtel. Bon, j'ai établi une ligne cryptée directe pour vous guider dans le cône Peki. V, appelle Jackie, qu'on voit si tout est synchro. On n'est jamais trop prudent. Alors ? C'est brouillé. Tu peux dire un truc, Bug ? Les plus grands crimes sont commis non par besoin, mais pour satisfaire des désirs superflus. Quoi ? C'est d'Aristote. J'en déduis que tu captes bien ? Toi, ouais, je te capte. Ton pote grec, un peu moins. Mais c'est la passionnant. Tu dois le lire. Essayez de méditer ça. Et de ton côté, V ? Continue avec Aristote, j'adore. Je vous emmerde tous les deux. Allez, pour la technique, on est bon. C'est la miroir que si. On garde contact. Merci d'avoir choisi le réseau de la Main. Je vous souhaite bonne chance. Ouais, c'est ça. Bisous. Jusqu'à votre retour. Ça y est. Alors, c'est là que t'as enfin eu un bug d'ascenseur. J'ai failli oublier. Pas de crasheur, hein. Ah, on y va. Allez, les mains dans les ah poches. Oui. On y va. Ça m'inquiète un peu. Information spéciale. Attends, je vais prendre le flathead. Bah, je croyais qu'il était resté au milieu du club souterrain. On est devant, Bug. N'oublie pas, la réservation est à ton nom, Ramon. Rendez-vous avec Hajime Taki, le représentant de la branche tech militaire. Les documents, c'est pour le Flathead. T'inquiète, on gère. Bienvenue au Cône Peki Plaza. Bah merci mon gars. Bienvenue au Cône Peki Plaza. Peux-tu former une file, s'il vous plaît ? Ça marche, mon pote. Monsieur. Un instant, je vous prie. J'ai quelque chose. Monsieur,
Pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous apportez un bot de combat dans les locaux du Konpeki Plaza? J'ai pas à fournir d'explications, ni à vous, ni à qui que ce soit. Eh bien, nous avons un règlement, et il dit précisément le contraire. Ah! Vous avez rendez-vous avec Taki-san, c'est ça? Je vous présente mes plus plates excuses pour cette erreur. Ça ne prendra qu'un petit instant, monsieur. Allez-y. Un petit screen. Il t'a expliqué que tu vas t'en servir pour la mission. Yokoso. Bonjour et bienvenue au Konpeki Plaza. On aimerait s'enregistrer. Mais bien sûr. Un instant, je vous prie. La réservation est à quel nom? Victorino. Chambre double, deux adultes pour une nuit, c'est bien ça? C'est ça. Parfait. Je vais aller prévenir Taki-san de votre arrivée. Merde, ça craint, ça fait pas partie du plan. Parle-lui, V, gagne du temps. Ce sera pas nécessaire. On va aller se rafraîchir d'abord. On le préviendra nous-mêmes. Mais Taki-san vous attend. Non? Señorita, vous savez combien de temps a duré notre voyage? 18 heures depuis Neo Barcelone. Avec Artar à Metaki, tout ça parce qu'un cyberpsycho s'est fait sauter dans le terminal. Ah, oh, vrai cauchemar. Évidemment. En vrai, il est bien rendu, le personnage. Hein. Vous avez la suite Lapis-Lazuli, au niveau 42. Oh, une dernière petite formalité. Ah oui, t'avais un rendu différent, c'est-à-dire... Veuillez valider votre puce SID. À toi l'honneur, Harry. Tout est en ordre, merci. Nous vous souhaitons un agréable séjour. Merci. Vaut mieux y aller. Néo Barcelone, sérieux? C'est ça l'impro. Tu devrais essayer. Là, on voit les reflets qui fourmillent un peu. Hein. T'en dis quoi, une sorte Harry? De diffère un peu. C'est coquet. Pas comme notre hôtel à Zurich pour la dernière convention. C'est bon, Jack. Arrête ça. Après, ça se... Je prends mon rôle très au sérieux. Rachel Zakaria. En fait, si on avance, on le voit. Dès qu'on s'arrête... Hop. Ça se stabilise, entre guillemets. On a une caméra. Et on va la marquer. C'est le top du top, ces poupées. Elles se souviendront de rien. Le bar a pas l'air trop mal. Bienvenue au Konpeki Plaza. Nous ne prenons pas de réservation en semaine, alors choisissez la table qu'il vous plaît. À moins que vous ne préfériez vous asseoir au bar. Je viendrai peut-être avec Misty un jour, quand on aura bouclé cette affaire. On peut toujours y jeter un œil. Merde! J'ai l'air d'un putain de colporteur avec cette mallette. Je monte. Et quand je dis que des têtes vont tomber, c'est pas juste façon de parler. Vous croyez pas que vous avez assez bu? Vous mettez les autres clients mal à l'aise. Tant mieux! Parce que ça les affectera aussi! Ça éclaboussera tout le monde! Qu'est-ce qui va éclabousser tout le monde? Tu veux savoir à quoi ressemble un oiseau de mauvais augure? Qu'est-ce qui pèse 100 tonnes, fait presque 2 km de long et avance à l'énergie nucléaire? La réponse est amarré dans la baie. Anako Arasaka a décidé de prendre des vacances. Super. Ouais, tu sais pas à quel point. Tant que tu réalises, il sera trop tard. C'est chier. Je vais aller dormir un peu. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que je vous sers, gamin? Vous êtes toujours aussi familier? Ma mère m'a appris ça au sein.
50% de protéines, le reste de Chutu a haute teneur en octane. Quoi ? Elle avait toujours les cheveux au vent et couverts de poussière. Elle faisait partie des Aldecaldos avant que les bombes se mettent à tomber. Ses derniers mots ont été « Où que tu ailles, quoi que tu fasses, reste toi-même, David. » C'est comme ça que j'ai atterri ici, toujours fidèle à moi-même. Chouette histoire, Tsum. Dommage que ce soit des cracks. Tout le monde s'arrange avec la vérité. Toi aussi, gamin. Bien, parce qu'on voit l'expression des visages quand même, quand ils bluffent, etc. De l'eau. Quand ils voient que t'as percé un peu à jour. Faites voir ce que vous avez. Tout de suite. Ah oui, donc on peut vraiment se murger comme il faut. Ça manque un peu de monster là, je leur fais pas de la pub. C'est juste. Quoique ça. Une Spunky Monkey. Statue hydratée qui augmente l'endurance maximale, etc. etc. D'ailleurs, il faudrait que je pense à les consommer parce que je crois que j'en ai un paquet de conneries comme ça. Il faudrait que je commence à en boire quelques-unes. Donc je vais certainement pas lui en acheter. Voilà. Merci, bisous. On va se balader un peu. Un jet privé depuis Seattle. C'est du grand luxe, j'apprécie. Ça t'a sûrement coûté un paquet. Tu vaux largement ce prix. Comment tu te sens ? Merveilleusement bien. Tu... T'as mis quelque chose dans mon verre ? Ce que je me sens, c'est... Même ton ex a confirmé. Elle viendra. Hein ? Qu'est-ce qu'elle fout à Night City ? En fait, si tu prends vraiment le temps, je voudrais essayer quelque chose de différent aujourd'hui. Tu peux passer des heures. Oui. Oui. Bien. Dans ce cas, attends-moi dans la chambre dans 15 minutes. Couvre les miroirs et les caméras. Un embargo ? En quoi c'est mon putain de problème, hein ? Le garage dont je parlais. Containers de munitions anti-chars et une tonne de mines anti-personnel. Réglez-moi ce problème ou leurs transports seront pour les soviétiques, le syndicat zéro, ou bien je les larguerai directement de leur orbite. Mais je veillerai d'abord à ce qui vous passe sur le corps. Vous savez pourquoi ? Parce que Hajime Taki remplit toujours ses contrats. Et je dis bien toujours ! C'est dommage que alors ces voix si ne bougent pas. Alors si j'ai promis aux Kurdes de leur fournir des Daikani pour les aider dans leurs négociations avec Petrochem... Ah si, ça bouge, mais il faut vraiment être de près, quoi. En fait, ils ont l'air d'attendre à chaque fois que tu t'approches. Non, toi qui m'écoutes. Je peux fermer les yeux sur l'affaire de Cuba, mais pas sur la... Farida, j'ai absolument rien à voir avec... Oh si ! Tu transformes cette putain de ville en boîte de pétri pour ton eurovirus. Et ça, ça nuit à mes investissements. Et quand on pousse à bout, je me venge sur le marché. Je vais la... Bon, on va avancer un petit peu. On va rejoindre Pépère. On aura de la bonne musique d'ascenseur, c'est surtout ça. C'est mignon. Donc voilà, on a le choix entre 01 et 42, hein, tout ce qui est entré au-delà. Тестировали эту технику на наших. Про заражение под Новоиркутском они... Опла, ну за пасы утра, да, сам байстек. Они всегда... То есть он тоже? Охренеть. Как все миньон. Он est dans notre chambre. Plutôt classieux. Dommage qu'on reste pas dormir. Super choix, Bug.
Il est pas choisi pour sa classe. Elle offre l'accès le plus rapide aux résidents et aux serveurs. Si, me acuerdo. Maintenant, démarrez le flathead et trouvez l'entrée du conduit. Ça a pas l'air trop dur. La simplicité est parfois la route la plus difficile. C'est qui cette fois? Marc Aurèle, Aristote? Celle-là? Elle est de moi. Il est où le conduit? Lance ton scanner et cherche tout autour. Il y a du copier-coller de fumée hein, qui sort des systèmes de clim. Qu'il est mignon. Alors on va sortir le flathead, voilà. Le flathead est prêt à y aller? J'y suis presque. Alors on en a un. Hein. On a un gagnant. Super. Jackie, où en est le flathead? Il est en place. Système opérationnel. Charge à 100. Merde. Fais chier, il est coincé. Vous allez rester là à le regarder galérer? Faut passer en commande manuelle. V. Prends les clés de contrôle de Jackie. Je vais connecter Tekiroshi à la vidéosurveillance pour que tu guides le robot. C'est vrai que c'est... Les éclairages, c'est un truc de fou quand même. Comme ça, ça trame, c'est un truc... Tiens, c'est parti. Je te passe en vue caméra. Ça va sûrement te désorienter un peu, mais panique pas. Ok, j'ai un bon visuel. Vous ne pouvez pas mettre les gens à la porte de chez eux. Emmène-le au conduit suivant. Leur lieu de travail comme ça. Arasaka couvrira les dommages et intérêts en intégralité. Ce n'est pas une question d'argent. Les élections approchent. De quoi je vais avoir l'air? Les gens vont commencer à dire que j'ai perdu le contrôle de Watson, mon propre quartier. Une semaine, c'est tout ce qu'on peut vous promettre. On essaiera. Et c'est tout ce que je peux vous promettre. Il va s'infiltrer le machin. Personne le voit. Sérieusement. Ah oui, c'est vrai qu'il a un mode infiltration invisible. C'est bon, le flathead est entré. Je te connecte à la caméra ouais. Suivante. Oui, oui, il a une sorte de... Pourquoi tu crois que c'était pour toi? C'était adressé à la gentille femme de ménage qu'il trouvait. Souci. Le mot disait... Quoi encore? Désolé pour les une femme de ménage sur le chemin. Il y avait du sang. Pour détourner son attention. Voyons ce qu'il y a sur le sous-réseau. Ok, ça marche. Il y a vraiment pas de justice. Il y a un panneau smart room. Ça peut servir? Non, absolument pas. Le terrarium a un régulateur de température et de qualité de l'air. Ça? Premios. Envoie-y le flatter. Super riche avec un regard coquin. Celui qui occupe le penthouse. Tu parles de Yorinobu Arasaka? Les types comme lui sont toujours célibataires. Il porte un costume hors de prix, mais c'est un biker dans l'âme. Toujours prêt pour une nouvelle chevauchée. Moi, je le laisserais bien me chevaucher. Commence déjà par essuyer ce verre. Regarde ça, tu laisses des traces partout. Cette pub-là? La Quadra? Il y a un problème avec le terrarium. Hey, Bug, ça a marché! Et t'as encore rien vu. Est-ce que tu sais seulement combien ça vaut, ces trucs? Continue d'avancer, on se félicitera plus tard. Non, c'est pas la Quadra. Elle est jolie, celle-là, on dirait une skyline, un peu.
Le résident est derrière la porte. Le flathead peut forcer la serrure. Il galère, on dirait. Merde. Il doit y avoir un autre accès. Laissez-moi réfléchir. Il y a une autre caméra de l'autre côté de la porte, mais elle est coupée. Tu veux que je l'active ? Ouais, cherche un port de vidéosurveillance. Voilà, c'est fait. Maintenant, passe sur l'autre caméra. Il est à l'intérieur. Comme prévu. C'est bizarre que cet hôtel ait qu'un seul runner. Un bon résident fait aussi bien que 10 runners de base. On fait quoi maintenant ? Neutralise-le. Utilise le flathead pour te connecter à lui. Je vais le geler avec un démon. C'est du vieux jargon, me demande pas. Le résident va se douter de rien ? Connecte-toi directement à son fauteuil. Il va pas comprendre ce qui lui arrive. Tu pourrais débarquer avec un char d'assaut dans la pièce qu'il ne remarquerait même pas. Le monde réel n'existe pas pour lui. Mais tu vas d'abord devoir faire entrer le flathead. On dirait que le conduit relie les deux pièces. On va vérifier ça. Maintenant, passe sur l'autre caméra. Je crois qu'on a trouvé notre entrée. Envoie le flathead là-bas et passe sur la seconde caméra. V, connecte le flathead au fauteuil. Reste là, hein. Ouais, pour surveiller le résident. J'entre dans le réseau principal du Cône Peki. Tu peux te déconnecter. Ainsi est-ce comment c'est assez. Comment tu te sens? Ça va. J'ai juste la tête qui tourne. Bug, t'en as encore pour longtemps? T'es là, Bug? Ouais, je suis là. Bon, écoutez, la glace est plus épaisse que prévu. Ça va me prendre quelques heures pour la percer. Quelques heures? Y a pas moyen d'accélérer? Tu veux que ma cervelle grille ou quoi? Osez-vous et profitez de votre suite de Bourges. Compte sur moi. Ouais. À ton avis. Non, la fumée au loin, c'est copié-collé et pas très fluide. Qui a renoncé à quoi? Yorinobu Arasaka. Il a renoncé à la belle vie. Ça date, je sais. C'est juste que... Je me demande. C'est comme... Imagine. T'as absolument tout, tu vois. Du coup, il fait un peu plus sombre, en tout cas. L'éducation. Ton vieux peut transformer la moitié. Tu vois autour du personnage comment ça fait? Mais toi, au lieu d'en profiter et tout ça... Il y a des hésitations sur les flous, sur les calculs de bordure autour. Les dragons d'acier, machin. T'abandonnes ta famille, tu te fais poser de la real skin, et tu joues les chefs de gang pendant des années. Pourquoi? J'ai pas l'impression qu'on avait ça. Enfin, hier, c'était moins visible, en tout cas. Il voulait peut-être juste échapper au système. Pourquoi il est revenu, alors? C'est pas facile de sortir du système quand ce système, c'est ta propre famille. Le mouton noir reste un mouton, hein? On peut dire ça. Il est revenu à quatre pattes. Ça prouve que tout ce qui est... Ça fait pitié pour un rebelle. C'est qu'un putain de réflexion, sorte de retracing vite fait, c'est pas calculé en temps réel, c'est tramé, c'est tout ce que tu veux. Sécurité du penthouse neutralisée. Perfecto. Que le spectacle commence. Non, je suis un peu dégueu. T'es resté à l'écoute tout ce temps?
pendant 3 heures et demie. À propos de ce balai dans le cul. Celui que j'ai dans le mien. Je ne pensais pas vraiment, tu sais. Je sais. C'est le moment de te faire pardonner. J'aime pas cette nouvelle mode d'avoir du tramage partout là, c'est dès qu'il y a des effets de lumière là, c'est pas propre quoi. Même les vieilles techniques qu'on avait sur Xbox 360, c'était plus propre que ça quoi. Ben, j'aimais bien le compromis d'hier, tu vois. Même si c'était pas parfait, c'était très immersif parce que vous voulez en entendre une bien bonne. T'avais plus l'impression d'être dans un film que dans un jeu avec des polygones, okay. Tu vois. T'avais pas alors l'impression d'avoir des polygones. Le cri du cybercochon. Groum groum, groum groum. Putain, achevez-moi. C'est beaucoup moins granuleux, j'ai l'impression aussi. C'est pas mal d'être l'héritier de l'Empire Arasaka. En tout cas, c'est mieux que d'être le fils de Raoul Wells. Hé, on se concentre, le coffre. Émaniez-vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui presse? J'ai perdu le signal de Yorinobu. Merde, c'est un putain de sorcier ou quoi? Il doit être dans un angle mort, je le récupérerai dans quelques secondes. Faites votre boulot, là, sous le plancher. Cherchez un interrupteur. Jouer bug. 2 secondes. Je sais pas si ça rame ou pas, c'est assez variable. Bon, ça il fallait s'y attendre. Arrive en avis. Bug. Je sais pas qui c'est, mais le personnel s'agite. 200 employés, ça court de partout. J'aime pas trop ça. T'as bientôt fini, T? Merde, Yorinobu va vers le penthouse. On s'en fout! Ouvre le coffre! J'y suis presque. Voilà. Premios. Alors voyons voir ça. La relique est intacte. Intégrité du bio-éclat, 100%. Ça doit vouloir dire oui. Parfait, on y va. Merde, trop tard. Yorinobu va entrer. Planquez-vous. Où? La grosse colonne, là. C'est une blague ou quoi? Non! Entrez dedans, vite! Où c'est qu'il faut aller? J'ai pas écouté. On est entré. Mais ça résout pas notre problème, T. Je sais bien qu'on a toujours un putain de problème. Laisse-moi réfléchir une seconde. Oh, il est sorti, il y avait... C'est pas un dame smasher, un garde du corps. Pire, une légende de Night City. Et plutôt du genre trash. On la joue comment? On attend. Est-ce qu'ils sont là? Ils arrivent de la zone d'atterrissage. Putain, mais de quoi ils parlent? Bug, qui est-ce qui se ramène? Oh non, j'y crois pas. C'est pas possible. Saburo Arasaka? L'empereur. Là, ça rame pas tellement, hein. C'est... Il y a parfois des petits moments où ça descend en framerate, mais là, ça va. Arasaka-sama. まだボディチェックが終わっていません。
C'est bien cette traduction en temps réel. Ouais, c'est assez énorme. C'était chaud. C'est vrai que cet aspect narratif, mise en scène, tout ça, c'est soigné. Il nous a pas vu. Alors Kayate. Putain, j'y crois pas. Saburo Arasaka. Watashina. そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろう。あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思っている。傲慢だよ。よりのぶ。どうしてここへ？直々に俺に屈辱を味わわせ、立場を思い知らせるためか。 Salut Morque Padona. Bonsoir à toi. Je sais pas si on dit Morka, Morsa, désolé. あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに超えてはならない一線を越えたのだ。Il a pas l'air de rigoler le padre. これまでお前の向こうには目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。 Le papa Arasaka, il a pas l'air de rigoler. Son père. C'est vrai, il a pas l'air de trop regretter pour l'instant. Il a eu un bon coup d'adrénaline. Adrénaline, pardon. Donc si lui il est pas venu seul, ça va se déchaîner. J'ai eu quelques petits engins volants. Elle est belle sa chemise, hein. Franchement elle donne envie. Je voudrais que l'hôtel soit peuplé. Puis-je savoir pourquoi? Saburo Arasaka a été assassiné. Code rouge déclenché. Assassiné. Votre attention. Par moi, t'as oublié de le dire. Plaza a été placé en alerte rouge. Veuillez rester dans vos chambres et suivre les instructions du personnel. J'imagine qu'on est dans la merde. On est infiltré là, comme par hasard, hein, on assiste à un assassinat qu'on va nous mettre sur le dos à tous les coups, bien sûr. Putain, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Yorinobu, il vient de buter Saburo. Quoi? Son propre père. Vous savez ce que ça veut dire? Ça va grouiller de garde en moins de deux. Ouais, oh putain, t'inquiète. On est dans la merde.
bug. Faut que tu nous sortes de là, et vite. Juste une seconde. On n'a pas une seconde. Merde. Ok, j'ai trouvé. La fenêtre, vite. Hop, j'ai pris sa plaque quand même au cas où. Hein. Je récupère deux, trois petites choses. Hein. Donc il faut se barrer par là, visiblement. Je la déverrouille. Vous devriez voir une échelle. Échelle ? Oh merde ! Oh non, 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 pas maintenant. C'est bizarre, ça déverrouille pas. Ah, elle s'est faite démonter. Dommage. Putain, la cour des grands, putain. Tu prends ton pied là, Jackie. Allez, viens. Viens, Jean-Michel. Regarde à l'angle. C'est beau. Est-ce que vous avez le vertige? Ah, on peut descendre là, sur les panneaux solaires. Ça pleut bien. Hein. C'est sacré beau, on empêche. Merde. C'est bien rendu. C'est hein. S'ils viennent pour Saburo, c'est trop tard. Putain, j'espère qu'ils nous ont pas vus. Ah, tu m'étonnes qu'ils nous ont vus. Sauter, tu crois? Oh là là, cette action de fou. C'est clair que les PNJ qui te passent au travers, franchement, je pense que c'est pour économiser de la détection. C'était chaud. La détection de chemin à suivre, de pathfinding, mais du coup, on va trop économiser. Putain, on n'est pas dans la merde, effectivement. On va avoir un timing aussi, bien sûr. Parker, appelle-la pour dire qu'on a bousillé la mallette. Fais-le aller. V, on parle que du cône Becky aux infos. Qu'est-ce qui se passe, putain? Ah, un dommage. On a un problème. La mallette cryo est endommagée. L'intégrité de la biopuce est à... Jackie. 86%. Je l'entends pas, il doit être tombé un peu plus bas, je pense. Écoute-moi bien, il n'y a plus qu'une chose à faire. L'un de vous doit insérer la relique dans son port neural. Ça m'a l'air un peu risqué. Et là, plus vous attendez, plus on risque de la perdre. Bon, un de nous doit s'y coller. Bon, s'il doit crever, hein. C'est pour ça qu'on voit la mallette bouger, en fait. Bon, c'est bien, on a notre premier gros cyberbug là, c'est cool. Je l'attendais avec impatience. Je me disais aussi, je l'entends pas bien, Jackie. Y a un problème? Wells, t'es où? Jackie, ça va? Bah, il a l'air d'aller bien, regarde. Je sais pas. Je crois. Je sens aucune différence. À votre tour, on retirera la relique et on lui fera un scan cérébral complet. Mais pour ça, vous devez vous grouiller de sortir de là. C'est ce qu'on essaie de faire. Très bien, monsieur Wells. Vaudrait mieux, putain. Là, il... Est-ce qu'il va réapparaître, notre pote? C'est le seul moyen d'accéder au garage. Vaut mieux pas traîner. Alors là, c'est... Super. Allez, on s'arrange de là. Ah, on n'a pas d'armes, hein. Votre attention. Le code Peggy Plaza a été placé en alerte rouge. Veuillez rester en attente. Ah, bah il est là, ça va, regarde, il est réapparu. Salut Lionel Master. Alors attends, je mets pause. Donc on a notre premier bug, on a notre pote là, Jackie Wells, qui a disparu devant nous. Ouais, tu as vu ça, donc voilà. Énorme.
Il y avait une arme sur le vieux. Ah, voilà, qui est bon. Est-ce que je l'ai prise, surtout, c'est ça le truc. Est-ce qu'elle est dans mon sac? Et que dalle. Ah si. Est-ce que c'était ça? Non, j'ai pas d'arme, hein, visiblement. J'ai pas pris d'arme. Hein. Après, si je vais pas dans le sac, j'ai que dalle. J'ai pris sa plaque au vieux. Bah, je les ai pas pris. Je n'ai rien pris. J'ai pas sauvegardé depuis un bon moment. Un peu la loose, hein, du coup. Bon, j'imagine qu'on va trouver des armes à un moment donné quand même. On va pas nous laisser comme ça. Sans des armes, c'est bien, mais on n'a pas munitions illimitées non plus. Hein. Attention. Voilà, je peux remplir les poches. Putain. Ça va me coûter 4 quand même. Hein. Alors, 55, hein, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Ça suffit pas. Votre attention. Le code Peggy. Unité 3 a trouvé le résident et un robot de combat. Un modèle Flathead. Un pour moi. Veuillez rester dans vos chambres. Les drones ont détecté des menaces à l'étage du penthouse et ouvert le feu. On a fait évacuer Yorinobu Arasaka du bâtiment. Je répète, on a fait évacuer Yorinobu Arasaka. Qu'est-ce qu'il... Ça me dit rien de bon. Est-ce qu'on peut récupérer des choses? Attrape, va-t'en. Fais gaffe. Ça grouille sur ton garde dehors. Ok. Garde ton calme. Alors, comment on peut l'équiper, ce truc? C'est dommage qu'on puisse pas auto-équiper un truc qu'on a reçu. Regardez le sac, j'imagine. Elle est là. Prendre l'arme. L'affecter à un emplacement. Ça, par contre, je trouve ça un petit peu relou, non? Y a pas un raccourci à ça? Alors, Lionel, oui, pour te répondre. J'ai le patch d'hier, hein, oui, effectivement. Alors, si on y a gagné en définition, en fait, on y perd en immersion, en qualité d'éclairage, je dirais, en détail, tout ça. Je trouve que c'est moins... Je sais pas. On voit plus que c'est des objets 3D. Avant, c'était plus... Je pense que la baisse de définition faisait qu'on voyait pas justement ça. Après, à voir. Hein, bon, c'est quand même pas... voilà, on n'est pas sur un jeu Nintendo 64, hein, pour reprendre une discussion qu'on avait eue dans la journée avec des tweetos. On n'est pas non plus sur un jeu Nintendo 64, mais je sais pas. J'y ai perdu un peu en effet grain de film. Un peu, on avait vraiment l'impression d'être dans un film streamé, presque. Là, c'est limite trop propre. Hein. C'est trop clean, je sais pas, il y a quelque chose. Mais bon, on va pas se plaindre, hein, sur la One S quand même. La meilleure définition, le framerate a pas l'air trop dégueulasse. Ouais, je vais push pleine. Dire ça aurait pu être pire. J'ai déjà vu des jeux beaucoup moins jouables. Votre attention. Merde, allez, le Peggy Plaza a été placé en alerte. Là, il y avait rien. Direct les portes qui donnent sur la terrasse. Voilà.
Alors, j'ai une lunette de visée. Très bien, je n'avais pas vu. Lunette de visée. Ah oui, oui, d'accord, j'ai confondu. C'est marrant, ça augmente l'armure. Je vais sur mon arme, je l'équipe avec ma petite hyper 100. Là, j'ai rien en canon. Oui, oui, non, mais j'aime bien regarder dans mon sac parce que dans la réalité, j'ai un sac aussi. Donc, en général, comme j'ai pas d'arme, je vais d'abord dans le sac. Voilà, ça, c'était une réponse à la con que j'ai eue. Désolé, non, c'est juste que voilà, j'aime bien voir ce qu'il y a dans l'inventaire. Constater. Après, est-ce qu'on va le pirater? Est-ce qu'on commence? Peut-être. Est-ce qu'on va les marquer, tiens. Est-ce qu'on commence peut-être à défourailler un peu? Hey, oh, des caméras! Où sont les caméras? Allez, là. On va la pirater, ça coûte rien. Donc on va prendre un EC où il y a un E9 derrière, donc celui-là, donc on a installé une backdoor visiblement. Ah, il fallait la désactiver, ouais mais ça coûte des points, non? Désactiver... J'ai pas envie de les utiliser mes points. Oh. Parce que le protocole de piratage, ça sert à quoi? Ça la laisse. Parce que là, ça est en train de recompiler son truc. Là, on a le temps. 13 secondes. Ah non, c'est quand même long. Hein. En fait, j'ai niqué mes. Non. J'avais pas compris, putain, n'importe quoi. J'ai niqué mes points de... à la réactiver. Je croyais que ça avait pas pris. Oh putain. Bon, enfin bref. C'est bon, j'en ai des... On va se retirer. Votre attention. Le Conpeki Plaza a été placé en alerte rouge. Veuillez rester dans vos chambres. Merde. J'engage l'ennemi. J'ai fait une petite bêtise. Je pensais pas qu'ils se débattraient direct. Contrairement à 13, on ne peut pas les balader pendant une infinité de temps. Alors je fais une pause. Vous connaissez, hein, de toute façon l'infiltration et moi ça réussit pas, hein, que je le veuille ou non. Je sais pas si c'est vraiment ma faute. Alors nous on va jouer à l'heure. Ça c'est pas bien pour ça. Pas bien. Ça saigne plus qu'hier quand même. Je sais pas si c'est parce que ça en plein jour tout ça. On a un deuxième là, non? Bah, il a disparu. Visiblement cette arme est pas mal quand même. Alors on a des points d'attribution qu'on pourrait mettre maintenant. Donc ce serait bien que
comme ça on va en profiter le plus tôt possible, hein, je pense. Donc constitution, je pense que je vais l'améliorer. Hein. Parce que le but, hein, c'est vraiment de d'avoir quand même des PV assez hauts et des une vie assez résiliente, quoi. Voilà, une jauge de... Alors réflexe, effectivement, pourquoi pas. C'est vrai que celui-là, on l'a pas augmenté encore. Donc on va en mettre... Donc les réflexes augmentent votre esquive passive, ça peut être utile. Vos chances d'infliger un coup critique. Allez, on va en mettre. Capacité technique, ça m'intéressait aussi. La maîtrise des technologies, tout ça, moi j'aimerais bien pouvoir déverrouiller pas mal de choses facilement. Ensuite, sang froid. Donc les dégâts critiques, augmenter... Réduire la vitesse avec laquelle les amis au repère, ça c'est pas mal aussi. Hein. Ouais, on va mettre du sang-froid, mais pas au détriment de, pas au détriment de quoi. Qu'est-ce que, ouais, on va remettre du réflexe alors. Ouais, on va faire ça. Ensuite, on va rentrer dans les détails justement, puisqu'on a des petits points d'avantage. Je sais pas si on peut les utiliser là. Augmente les dégâts des fusils et des mitraillettes. Alors déjà, moi, la mitraillette, c'est mon truc préféré, donc il vaut mieux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Avec fusil ou mitraillette, donc à bout portant, ça, ça peut arriver assez souvent, donc ça peut être bien d'en mettre. D'accord, il faut 3 points. Bah, du coup, on va le mettre. On va mettre les 3 points. Comme ça, on l'a. Ensuite, dans capacité technique, on avait quoi déjà? Permet de démonter automatiquement la camelot. Augmente le nombre de composants obtenus grâce au démontage. On l'a. Permet de fabriquer des objets rares. Ça, ça peut être utile aussi. Ouais, oui, bien sûr, t'as raison. Effectivement, mais là je l'ai débloqué là. Ça y est. Le distrib de balles passives, c'est bon. Non. On va voir dans constitution ce qu'on avait sorti. Donc ouais, c'est vrai qu'après c'est par 3, ouais. C'est que les trucs de base. Augmente votre charge limite. Moi qui aime bien prendre beaucoup de choses, ça peut être intéressant. Augmente les dégâts des fusils à pompe et mitrailleuses. Il en faut 3. Celui-là, j'en avais pris qu'un sur 2, donc il vaudrait mieux... Regarde les autres objets, les autres onglets, ouais, je suis dessus. Combat de rue, ça m'intéresse pas. Je pourrais compléter celui-là éventuellement. Réduire le temps de chargement. Donc il me reste encore un point. Voir déjà ce que j'avais là. Donc là, ça c'était quoi? Augmente votre charge limite. On pourrait limite faire ça. Sinon, on a quoi d'autre dans lequel on a beaucoup de dans sang froid? On n'a jamais rien pris, il me semble. Augmente les dégâts infligés par les armes équipées d'un silencieux. Alors moi je déteste les silencieux, donc je suis pas sûr d'en avoir souvent. Vous permet d'effectuer des neutralisations non mortelles en l'air. C'est vraiment intéressant. Augmente votre vitesse de déplacement furtif de 20%. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Vous permet de lancer des couteaux, machin. Ça peut être bien pour moi, parce que moi qui suis pas très fort en furtivité, d'accord, bah à tout à l'heure Cédric, moi qui suis pas très fort en furtivité, ça peut être bien. Alors on va regarder dans l'onglet impitoyable, donc là quand même on est sur des trucs, après on n'est pas obligé d'attribuer tous les points de suite, hein, mais je pense que pour l'instant, vu que je prends beaucoup de choses, je vais récupérer ce truc qui permet d'augmenter la charge limite. Ça, on est au max ici sur ça directement. Ensuite, je vais faire une mini sauvegarde.
histoire de pas me vautrer. Voilà, il est où le poteau? Il est là. Donc on va essayer de s'infiltrer. Oh là, allez, va falloir se frayer un passage. C'est de haut par là. Attention, le Konpeki Plaza a été placé en alerte rouge. Veuillez rester dans vos chambres et suivre les instructions du personnel. Belle arme hein, quand même là. Ce qui est bien, c'est qu'on récupère des armes à dodo. Il y a des choses à récupérer. Alors, je t'ai pas demandé comment vas-tu, Lionel. Et est-ce que ton week-end s'est bien passé, etc. J'espère que toi ça va en tout cas. Et que tu t'amuses bien dans ce stream découverte. C'est vrai que pour les phases de combat, c'est bien d'avoir un petit peu plus de fluidité quand même. Hein. Ça permet quand même d'en profiter un peu plus. C'est toi qui vas le prendre à la tête. Ils se sont mélangés tellement on les a eus ensemble. Ils se font des mamours, c'est mignon. On va faire un petit screenshot. Voilà. On en voulait des bugs. C'est truc. Bon, ben, je suis content que ça soit passé pour votre ton week-end. Hein. Le Konpeki Plaza a été placé en alerte rouge. Veuillez rester. T'as une fille, c'est ça, Lionel? Ou quand tu dis petite, c'est petite copine. Parce que selon les régions, petite, ça peut dire plein de choses. Ouais, bah écoute. Bon, j'ai regardé quand même les streams un petit peu vite fait, voilà, par saut, hein. Diagonale, les streams d'hier et avant-hier, il y a quand même des trucs qu'on pourrait me reprocher, parce que moi qui suis d'habitude assez tatillon, je suis passé à côté de pas mal de tout petits bugs, hein, voilà, c'est pas des trucs très gênants, mais quand j'ai regardé le stream, je me suis dit, mais il fait exprès de pas les voir. Bon voilà, c'était des trucs subtils, pas forcément dans le champ de vision immédiat, mais là c'est vrai que les bugs sont un petit peu plus, voilà, on est moins épargné. Allez, bon enculé, on va danser. On a de Bullet Storm, c'est assez incroyable. Je suis content.
parce que j'ai passé pas mal de temps avec ma fille au début. D'autres armes. Alors, comment voilà. On va voir ce qu'on a d'autre. Au moins un petit fusil de chasse là vite fait. Tac. Avec un accessoire si possible. Ce sera pas forcément utile. Un petit flingue histoire de voilà de bousiller des munitions de flingue. Voilà, parce que là de toute façon on a bousillé toutes les balles de mitraillette. Ça se voit que c'est quand même mon arme préférée, non? Je pense que ça se voit. Voilà. J'ai l'habitude de la roue d'armes sur R1 hein, et là je voulais juste changer. Je voulais juste voir à quoi ressemblait le viseur. Là. Alors effectivement, on va rester sur le pistolet histoire de. Voilà. Fais gaffe. Allez, au fond. Sacré recul. Hein. C'est pas faute d'avoir spammé le bouton X. Hein. Moi j'imagine que ouais, le tir avec le flingue à distance. Quoi. Allez, fils de pute! Ce qui est marrant, c'est qu'ils nous ont pas suivis, hein. Ils nous attendent là où ils sont scriptés. Ça, je m'en doutais un peu. C'est-à-dire que tu peux faire ta vie, revenir en arrière. Regardez comme ils sont venus. On dirait des frères si à moi. On reprend un screen. Hein. On va pas mettre que des trucs positifs sur Twitter quand même. J'ai la vie qui remonte toute seule. Hein. Merde, c'est des conneries. Parce que d'un FPS à l'autre, ils auraient pas l'idée de faire les mêmes commandes tout le temps. Tout le temps les mêmes commandes, s'il vous plaît. Franchement, c'est pas compliqué hein, de faire pareil que tout le monde. Avec un tir chargé, si ça va péter. Passer au travers.
dans le dos. Enfin, c'est vraiment la pire des morts, hein, dans le dos. Que ce soit pour le tireur ou pour le tiré. Il meurt, alors il y a du sang, c'est bien. Et c'est plus qu'une texture qui s'agrandit, alors c'est bien, il a marché dans le sang, mais il n'y a pas eu de trace de pas. Alors qu'il y a des FPS vieux de 20 ans qui le font. Hein. Alors je ne dirai pas de nom, hein. Vous les connaissez peut-être. Donc là on voit qu'il y a un problème de Z-buffer, puisque les deux plaques, les deux les éléments ne sont pas à la même hauteur. Même si ça se voit pas. Donc la plaque de sang a du mal à savoir si elle doit s'afficher en premier ou pas. Je trouve que quand il tombe de façon assez naturelle. Voilà, il s'appuie contre le mur. Bon, c'est pas hyper naturel non plus, mais c'est déjà mieux que ce qu'on a vu dans 13. Hein. Hey, fais gaffe, il y a des câbles. Il y a mieux aussi. Hein. Donc voilà. Ça doit être génial d'avoir un flingue one shot comme ça. Alors, déjà je voulais voir là, il y a quoi là? Il y avait un petit truc, et ça y est plus. Donc là on a la caméra. Je crois que c'est bon. Est-ce qu'on peut contourner un peu? Non, c'est pas prévu sur la map. On va faire un petit sauvegarde, à tout hasard. Voilà, j'espère que vous ennuyez pas trop, hein. C'est vrai que c'est peut-être une peur bizarre que j'ai, que les personnes qui me suivent s'ennuient. Contact ennemi, j'attaque. Loin, forcément ça a peu d'effet, mais on va reprendre la bonne vieille mitrailleuse. Alors est-ce que le fait que tu sois bon public c'est censé me rassurer? QG, y a plus que moi. Alors ce film je l'ai trouvé génial, mais alors je suis très 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 bon public, hein, donc c'est voilà. je te taquine bien sûr. Défoncer sa mère. Ah, c'est pas au milieu mon gars, je suis en train de te tirer à la tête depuis une demi-heure. Approchez-vous. Belle arme, c'est joli je crois, c'est ce que j'ai vu. Pizza au Tofonton, il avait ça sur lui sérieusement. Une petite arme au cas où. Je crois qu'on a récupéré une belle chose dans l'inventaire, je suis pas sûr. Hein. Je vais regarder dans le sac au cas où. J'aime bien ouvrir mon sac. C'est ça que je viens de voir, non? Ça m'a l'air plutôt sympathique. Après, il y a des mitrailleuses qui requièrent... Qui requièrent quoi? On ne sait pas. En tout cas, elle a 102 DPS. Bon, on a déjà une belle arme. Hein. Là aussi, on est à 102 fusils d'assaut cinétique. Donc, voilà, qui est plus lourd, hein, effectivement. Qui n'a pas de lunettes particulières, les balles peuvent ricocher sur les surfaces, tout comme l'autre.
entre 20 à 36 dégâts. Elle fait moins de dégâts par seconde. Enfin, elle fait moins d'attaques par seconde, pardon. Mais elle fait plus de dégâts, donc ça veut dire qu'on use moins de munitions, j'imagine. Oui, oui. En fait, j'essaye de comprendre un peu ces fiches techniques parce que pour l'instant, je fais à l'instinct, mais c'est pas suffisant, je pense. Donc voilà. J'ai l'impression qu'en consommant moins de balles, en fait, ça. Enfin, en usant moins de balles à la seconde, ça a une meilleur impact. Ok, bon, de toute façon on n'a pas beaucoup de balles, donc on va essayer d'économiser tout ce qui est mitrailleuse pour l'instant. Je vais repasser sur le pompe, comme ça si on a des problèmes sur le flingue, carrément. Comme ça si on a des petits soucis, on pourra déjà parer aux premières éventualités. Donc là... Lui, on va récupérer des trucs. On va récupérer ses chaussures. Votre attention. Le Konpeki Plaza a été placé en alerte rouge. Veuillez rester dans vos chambres. Ah, il a été légèrement blessé, hein, le copain. Hein. Je sais pas si c'est pendant la chute. Hein. Quoi ? Saburo Arasaka. 150 ans. Ah. Et aujourd'hui. Ah, tu me le dis trop tard, mince. Je n'ai pas vu le katana. Ouais. Ah non, mais il n'y en avait pas un autre, ouais, le katana de. Dieu avait envie de se marrer. Du papy, là. Ouais, il s'est fait mal, le pauvre. Mais comme je le voyais pas après la chute. Ça t'amuse tout ça? Ouais. Ben, je pouvais pas savoir. Ton foie est peut-être foutu. Ça me pendait au nez. Allez, ouais, le katana du vieux. Non, j'ai cru que j'en avais oublié un deuxième. T'imagines la connerie. Va dire ça à Bug. Elle serait peut-être encore en vie si on avait été plus prudent. Oh, Bug est mort. Passe pas tes nerfs sur moi. Bon, malgré tout, si au début j'étais un petit peu perplexe et déçu, je trouve quand même qu'avoir un peu plus de définition, c'est bien quand même. Et surtout, le framerate pendant les combats est quand même meilleur. C'est vraiment au moment où ça devient intense qu'il y a des combats, j'ai quand même moins l'impression de galérer. Alors, j'ai du mal à viser avec. D'avoir mis 3 points rouges, en fait c'est chiant. C'est pas grave, il doit y avoir une sauvegarde pas loin. J'avais pas surveillé. J'ai pas surveillé le. De toute façon j'ai sauvegardé juste avant, donc c'est pas très grave. En tout cas, ces phases d'action me plaisent. C'est déjà ça. Les phases de conduite de tout à l'heure, on était un petit peu plus immersif aussi. Hein. J'ai plus apprécié aujourd'hui la phase de conduite en voiture qu'hier. Hier, tu avais vraiment l'impression d'avoir un objet qui n'a pas de poids entre les mains. Tu avais l'impression de conduire une voiture en carton, en fait. Un peu comme dans Dirt 5, d'ailleurs. Putain, mais pourquoi je parle sans arrêt de ce jeu? Il faut que j'arrête, hein. Et à force de dire ça, bah, j'en parle encore. Veuillez rester dans vos chambres et suivre les instructions du personnel. Ah, j'ai cru que j'allais être tout seul, là. Il est apparu un peu au dernier moment, lui, j'ai l'impression. Où sommes-nous? Perdu de temps, la grouille. Ouais, on est à l'étage, mais tout ça, je l'avais récupéré, il me semble. C'est marrant, les trucs que j'ai cru récupérer. Je sais pas. Vérifie quand même, hein, c'est... Yeah.
framerate était meilleur. Quoi ? Il est plus constant de A à Z. Sapporo Arasaka. 150 ans. Essaye la dernière mise à jour sur One X, hein, s'il y en a une, on sait jamais. Pile aujourd'hui. On dirait que Dieu avait envie de se marrer. Jackie, garde tes forces. Et tu crois que je fais quoi ? Ça tourne globalement mieux. Allez, détends-toi, V. On va s'en tirer. Les éclairages sont quand même bons. On voit les reflets rouges sur la personne. Et... Ah bon ? Qu'est-ce que t'en sais ? C'est vraiment bon, là. Franchement, je prends une capture. Passe pas tes nerfs sur moi. Ah, c'est dommage de ne pas pouvoir faire du winning comme dans GTA. Bon, c'était très casse-gueule aussi. Hein. Donc là, j'ai pas la meilleure arme hein, quand même pour faire la mitraillette, mais il n'y a pas du tout de munitions. C'est un bras. Bon, lui, il est en flingue. De toute façon, il en a deux, l'enfoiré. Est-ce qu'on peut s'équiper de deux feux ? C'est pas mal. Attends, je vais faire une autre. Ok, donc il faut faire plusieurs séquences cette fois-ci. Donc on commence par du 1C. 1C, 1C. Ah pardon, ouais d'accord, j'avais pas compris le système. Tant pis, on prendra plus tard. On fera ça quand on sera au calme. On va s'approcher du quartier. Allez, au fond! Dans le mille.
Alors, il ne faut pas forcément commencer par la première. Le but, c'est d'arriver à faire toutes les séquences en une seule fois. Pourquoi il a remonté, lui ? Faire quelque chose, non, rien. Le D209. Alors des grenades il m'en reste un petit peu effectivement. Faut que je recharge. J'espère des munitions entre autres. J'ai l'impression qu'il y a une caméra de surveillance que je n'ai pas
pas dégommé encore. Les grenades IEM font leur effet effectivement sur ce genre de bestioles. C'est tout indiqué. Donc ça c'était vraiment là où on était au tout début avec le bar et tout, là où on était il y a un quart d'heure. Je vais récupérer tout ce petit passage en commun. Ça, c'est le hall, vraiment le hall d'entrée. Comme complètement déboîté. Alors si les dégâts font pas hyper réalistes, ils ont quand même le mérite d'être là. On est quand même sur des éléments cassables. Voilà, même si c'est pas dans des détails oufissimes. On n'est pas dans un simulateur de dégâts sur porcelaine et marbre. Mais bon, c'est bien de signaler que même sur console, on peut avoir des éléments de décor qui pètent, même si c'est pas tout forcément. Hein. Est-ce qu'on a d'autres choses à récupérer ici? Est-ce que le réceptionniste avait éventuellement un godmichet de cachet? Donc voilà. Alors, t'as beaucoup de FPS, oui, où il n'y a pas du tout de dégâts dans l'environnement. Les caméras. Alors, je sais qu'il y en a qui le font très bien, mais je ne me souviens plus exactement. Dans une certaine limite, hein. Allez. Est-ce qu'il y a, j'ai oublié quelque chose? Allez, viens, mon frère. Et tu as des jeux comme le Red Faction, là, Mars Remastered. Tu peux tout déboîter. Bon, là, c'est quand même différent, mais... Donc voilà, on va au parking, hein, puisqu'on va chercher notre Uber. J'ai perdu du sang. Ouais, la gestion de lumière est quand même très bonne. Hein. Ça reste quand même bon. J'étais sûr qu'il m'attendait, c'était obligé. Ce que j'ai oublié de faire là, c'est de faire une petite sauvegarde, même si je me doute. De toute façon, on a la dose de sauvegarde possible, hein, c'est pas très grave. Voilà, et j'aurais voulu changer d'arme. On va commencer avec ça déjà, on va voir ce qui nous attend. T'en as des belles caisses, hein, ça donne envie. Restez à couvert ! Je vous conseille de monter dans ce véhicule sans perdre de temps. D'accord, il est où ton véhicule ? Je sais pas si toutes les balles que je gaspille sur lui, ça vaut le coup. Hop là, j'ai bien fait de sauvegarder, hein. J'ai essayé un petit truc. Hein. Strangehold, ça me dit rien. C'est quel type de jeu? C'est vraiment un... C'est dans le FPS aussi? Non, c'est pas un FPS, excuse-moi, j'ai pas lu jusqu'au bout. C'est marrant ça, Stranglehold, ça me dit rien. Prime, je sais plus si c'est dans des très vieux jeux. Il me semble que j'ai déjà vu des FPS où il y a voilà, des décors qui pètent un peu. Mais je sais pas si c'est vraiment dans de très anciens jeux s'il y a eu ça. Bon, après ça commençait avec les arbres et tout dans Crysis, mais un petit peu dans Far Cry aussi vite fait. Donc on va reprendre le truc, puis on va prendre le Uber, hein. On va pas s'embêter à destroyer tout le monde. Je vous conseille de monter dans ce véhicule sans perdre de temps. C'est dommage parce que si on pouvait l'attraper lui par exemple, est-ce qu'on peut l'attraper? De la mèche, cours! Ravi de vous revoir. Avec
offensif. Alors, tu donnes le mode offensif. Commentaire client noté. La caisse est dans quel état? En excellent état. Mais nous sommes poursuivis, hélas. Calme. Barrage routier devant. Oh purée, on est face à un Robocop. Je m'en occupe. Ah voilà. Mais je croyais. On a réussi, Jackie, putain, on a réussi! Voilà, on a poussé un Hummer comme rien. On dirait bien. Mon diagnostic médical indique que Monsieur Wells est dans un état critique. Continue chez un charcutoc, maintenant! Toutes mes excuses, ce ne sera pas possible. Notre itinéraire a été prédéfini et payé d'avance. Aussi n'ai-je pas la liberté de le modifier. Rien à foutre! Fais ce que je te dis! C'est bon, mais. Je tiendrai le coup. Je vous conseille de garder Monsieur Wells conscient. Ça va aller. Tu vas revoir Misty, ta mère, tous les je gens. Je pense que sur Fear 2 aussi, il y avait une belle gestion. Jackie, je sais plus si on pouvait ouverts. Péter des murs et tout. Il me semble que oui, que c'est sur Fear 2. Misty. Il y avait moyen à certains piliers que ça soit complètement déboîté. C'est toujours. Fear 2 m'avait beaucoup marqué. C'est vraiment un FPS que je recommande à tout le monde. Surtout si vous aimez un peu vous faire peur, mais. Prends-en soin pour moi. Ah putain, on va pas assister à la mort de notre collègue quand même. Alors le premier Fear est déjà très bon, hein, mais bon, il peut pas plaire à tout le monde parce qu'il. Pour moi, il est mal fini le premier. L'esthétique, le scénario, et il y a des petits manques. Et le 2 pour moi a vraiment été une révélation. Voilà. Bon, on vient de perdre notre collègue, les copains. J'ai l'impression en tout cas. Donc il ne nous trahira pas, c'est déjà un bon point. Hein. Le gars qui relativise, hein, forcément. Bon, il est mort, c'est triste, hein, mais au moins c'est pas par lui que viendra la traîtrise. Donc voilà, paix à son âme, bisous. Bon, on sait pas s'il est mort, hein, peut-être qu'il est juste dans le coma vite fait. Non, il est décédé. Quoi ? Le forfait Excelsior comprend le traitement des dépouilles des passagers. Ouais, déjà qu'il disait que c'était pas bon présage. Oui, c'est triste. Laisse-moi juste une seconde, ok. Le 3. Alors, j'ai commencé le 3, j'ai pas accroché aux premières minutes du jeu. Où souhaitez-vous que je conduise la dépouille de Monsieur Wells ? Le Fear 3, pourtant, il me semble qu'il y a des noms vraiment très. Victor, amène-le chez lui à sa famille. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je sais pas du tout. Bon, on va tester ça. Victor s'occupera de lui. Il faut pas que sa famille le voie comme ça. Bien sûr, ce sera fait. Monsieur De Chaune vous attend dans la chambre 204. Je n'ai pas. À bientôt dans la cour des camps, Jack. Ben, en fait, je vais vous dire, c'est vrai que bon, on peut être plus impliqué dans le scénario, et je le comprends.
Mais en fait, j'étais sûr qu'à un moment donné, il allait nous trahir parce que voilà, la bagnole elle est morte. Hein. Parce que voilà, il a trouvé sa moto, tout ça. Enfin, il y a des trucs où il répondait pas, machin. Je me demandais si c'était pas louche dans certains. C'est vraiment beau, hein. Voilà. Donc je ne m'étais pas attaché au personnage particulièrement. Là, il est fatigué. Faut vraiment qu'il aille là où on lui dit. Bref, je n'arrive qu'à marcher. Bon, c'est juste parce que j'ai mon sac à dos qui est blindé. Ah, je recycle 2-3 choses. Hein. D'ailleurs, on va le faire ici, on va s'asseoir tranquille. On peut relativiser très très loin. Alors, est-ce qu'on peut jouer? Non, c'est juste qu'il y a... J'y ai cru. Hein. Juste qu'il y avait un truc de santé. Donc, est-ce qu'on peut recycler des choses? J'avais l'impression que c'était vide en rentrant, puis il y a des gens, en fait. Dans notre inventaire, il doit y avoir énormément de conneries. Mais alors, énormément. Hein. De la boisson énergisante à je sais pas quoi d'autre. Donc voilà, on a beaucoup... On a beaucoup d'armes, mais pas beaucoup de munitions. Ça, c'est un peu con. Hein. Voilà, on a beaucoup d'armes. Des accessoires tactiques, on n'en a pas tellement. On a beaucoup d'habits qu'on a récupérés. Tu t'imagines, le gars, il bute des gens dans un hall d'immeuble. Des soldats, tout ça. Puis il s'amuse à récupérer leurs chaussures, quand même. Hein. Et à accrocher ça vite fait à son sac à dos. Donc voilà. En fait, c'est fou tout ce qu'on peut récupérer. En fait, il y a une maladie comme ça. Hein, une maladie qui n'est pas une maladie de santé, hein, une maladie plutôt mentale. Une sorte de toc, de tout récupérer, de tout stocker. Voilà. On est un peu dans cette maladie-là. Alors, je ne me rappelle plus le terme exact. Mais voilà, on peut se bourrer la gueule avec de l'armagnac. Moi, je boirais bien une petite Monster vite fait, là, une Naranjita Zero. Est-ce qu'on peut la consommer, là? Oui, visiblement, on l'a consommée. Ou on l'a retirée, je sais pas. Alors, c'est passé où si on l'a retirée? Est-ce que c'est au sol? Est-ce qu'on l'a consommé? Je sais pas. En tout cas, on se traîne avec tout ce qu'on a. Qu'est-ce qui lui arrive à elle? Je t'achèterai rien. Bon, elle était en train de jouer à Stadia, visiblement. La pauvre. C'est ma mère qui vous envoie? Ta mère? Ouais. Peut-être que je recycle des armes. Hein. Un petit peu. Tout petit peu. C'est pas que c'est ultra abusé. Hein. Là, on est dans la fabrication, amélioration, inventaire. Le sac. Est-ce qu'on peut virer des choses? Putain, cette liste, elle me fait peur. Donc, démonter l'objet. Récupérer composants d'objets communs. Est-ce qu'on peut dégager certaines choses? ?109, il est bien celui-là. On a même du 111 DPS, c'est un truc de fou. Tous les trucs en dessous de 100, en fait, on peut les gicler. Peut-être des trucs de catégories différentes, en tout cas.
Dégâts chimiques. On a énormément d'armes. On a beaucoup trop. Beaucoup trop d'armes. On va déjà dégager les flingues. Commencer par en haut. C'est chiant cette fenêtre pop-up là qui. 80. Il y a tellement de trucs dans l'inventaire que ça se met un peu à ramer. On se traîne quand même pas mal de trucs qui servent à rien. Celle-là, on peut pas l'utiliser parce qu'elle requiert quelque chose, alors je sais pas trop quoi. Celle-là non plus. Tous ces modèles-là, on peut pas les utiliser. Ils ont pas de dégâts de fou de toute façon. Ouais, j'essaye de pas virer les trucs avec. Bah, de toute façon, ils sont équipés ceux que j'ai. Des choses intéressantes. On le voit l'accessoire en général. D'accord, ouais, c'est ça. 75, c'est trop petit. 78, ça sert à rien. On a une tripotée de trucs qu'on a récupérés. C'est un truc de dingue. Hein. 98 encore. On en a tellement de chaque que c'est même pas la peine, quoi. Limite. On a des flingues avec des très bons ratios, hein. Déjà, on a fait un premier tri. Regarde, celui-là. Quelques trucs sympas. Alors, on va essayer d'améliorer des armes. Ouais, ce serait pas mal. Donc, dans fabrication, amélioration. Améliorer. Celles que l'on porte normalement elles sont bleues là, voilà. Celle-là déjà elle fait combien? 106, 126 le shotgun, c'est exceptionnel. Le petit flingue qu'on a, c'est celui-là, il est à 117. Je les améliore. Bon, pour l'instant on va rester là pour l'instant. Ça me paraît bien. On va pas trop non plus s'apesantir sur ça. Après, je t'avoue que l'interface de gestion du sac, de l'inventaire, tout ça, j'aurais espéré un truc un peu plus light, quoi. Un peu plus utilisable. Là, je suis un petit peu perdu visuellement, en fait. Hein. Visuellement, on est un petit peu perdu dans cette interface. C'est... Donc les trucs sont un petit peu moins flous. Hein. Oh, une borne d'arcade style Outrun, c'est énorme. Petit screen au cas où. C'est mignon comme tout.
Ah, elle est bloquée derrière le camion encore. Ouais, j'imagine que ça passerait bien. Quad Racer. J'imagine que ça passe bien sur PC avec la souris et tout, mais. C'est vrai que la manette c'est assez chiant parce que t'as le truc qui pop sans arrêt. Déjà je me sens plus léger de les avoir recyclés. C'est quoi sa réaction à lui? Mes condoléances. Et la relique? Ça a foiré. Voilà une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Saburo Arasaka, il est mort. T'as une idée de la merde dans laquelle tu m'as mis? T'as buté l'empereur! Sa putain de majesté! Tous ceux qui ont trempé de près ou de loin dans cette histoire sont morts. C'est vous qui nous avez foutus dans ce merdier. Vous l'avez préparé comment, ce plan? Vous saviez pas que Saburo Arasaka serait à l'hôtel? J'ai pas accès à son putain d'emploi du temps personnel. Et puis personne vous a demandé de buter le vieux. C'était pas nous, putain! Sans blague, tu diras ça aux ninjas d'Arasaka qui vont te coller au cul. Allez, calme-toi. Va falloir agir avec stratégie. Je pense pas que ce soit décalé. C'est peut-être le stream qui a merdouillé un moment. Nouvelle identité. Mais d'abord, ton visage, il est couvert de sang. T'as une salle de bain, là. Allez, va te rincer un coup. Ouais, il est pas si couvert que ça. Briser le miroir. Non, on est sage quand même. Bon, notre pote vient de mourir, hein, donc oui, on aurait pu briser le miroir. On le brisera après s'être nettoyé quand même. Tout ce qu'on va briser, c'est notre main, j'ai l'impression. Ah si, quand même. Si, si, on voit après que le LCD, il a pété. C'était pas évident au moment où il l'a fait. Un miroir LCD, hein, vous vous rendez compte? C'est quand même... C'est le futur. Il y a des trucs chelous quand même, hein, dans les toilettes ici, hein, je sais pas. Ils se torchent avec... On dirait des serviettes de McDo enroulées. Il se pique aux toilettes, puis après il jette. On marquera le sol, hein, exprès. Putain, il est pas très propre, hein, quand même. Hein, il y a de la moisissure partout. Les sols antidérapants des hôtels, des salles de bain d'hôtel. Je me doutais qu'il y avait une surprise à mon retour. Donc là, on est vraiment dans la merde, en fait. J'ai pas le choix, V. Tu te souviens de notre première discussion? Dex, vous foutez quoi? Paisible, finalement. Pas de mort spectaculaire pour moi. On a quand même 142 vies. Hein. Ça a pas suffi, visiblement. Donc voilà, on a fini le prologue. On est enfin à l'écran de titre, pour de vrai.
Est-ce que c'est là que l'histoire commence vraiment? En tout cas, c'était mignon jusque-là. Donc voilà, j'imagine que c'est le prologue qu'on vient de terminer. Et c'est là que les emmerdes commencent pour de vrai. Ou alors c'est juste qu'on est mort et on est à l'écran titre et c'est fini, c'est la fin du jeu. Pas sûr. Mais finalement, il se finit vite, hein, ce jeu. Interlude. Salut. Est-ce qu'on peut sauvegarder? Alors, on a notre premier trophée, si je me trompe pas, ou deuxième. On a volé la relique. Il semble que voilà. Salut. Salut. Tu vas détailler son bras. Oh, mieux que jamais. T'en as pas l'air. Désolé, je peux pas te laisser passer. Ah ouais? Hé, hey, on se calme. C'est notre ami Johnny. Ami Keanu Reeves est là, dans le reflet. Salut les amis. Je suis venu vous dire au revoir à vous tous. Yeah. J'aurais aimé voir la suite du concert. Avec l'argent. J'écoute. Vous gâchez vos vies à nous suivre comme des toutous. C'est quoi ton problème? Super, vous parlez. T'en demandes combien? Oh. Ok, je la veux aujourd'hui. Génial. Franchement, l'esthétique du jeu, ils se sont gavés. Je sais pas quoi dire d'autre. La mise en scène, l'histoire. Je sens que ça n'a pas été accouché en 6 mois, quoi. Fais pas ça. Tu peux encore changer d'avis. Quoi, tu veux que je lâche l'affaire? C'est marrant, ça m'étonne pas de toi. Et tu sais pourquoi? Parce que t'as toujours été une putain de mauviette, Kerry. Ouais, une putain de mauviette, mon gars. De toi, moi. Comme ça, je te mets ma cigarette dans la trachée. Il est temps de faire place au futur. N'oublions pas qu'on est sur une vieille One S5 quand même. J'adore quand t'es en rogne comme ça. C'est super excitant. Allez, monte avant que je change d'avis. Mais change d'avis, hein. Superman, salut, Shaitan. C'est bon, on décolle. Tiens, mets ça. Il n'enlève pas, ok? Ça tourne, hein. Je pense que c'est bien que je découvre cette partie là avec le patch peut-être, hein, parce que c'est vraiment bien défini, ça fait plaisir. Je suis content de ne pas avoir besoin d'avoir acheté un... Pardon, que de ne pas avoir besoin d'acheter un PC à 1000 balles pour jouer à une version, bon, légèrement inférieure bien sûr, mais ça va. Ça va très très bien même. Ce qui est bien, c'est qu'on a un temps de chargement, certes pas très court ni trop long, mais un temps de chargement tous les je sais pas combien, donc ça va.
C'est vraiment très très rare les chargements, donc surtout quand tu vois la quantité de choses que contient le jeu, c'est presque étonnant qu'il ne fasse que 59 gigas sur ma console. Tout Pacifica a été bouclé. Il y a des blindés dans les rues de Watson. Les fils de pute. Le bordel là-bas, c'est nous. Collatéraux, ça fait partie du plan. On n'est pas chez les scouts, Thompson. Des fois, c'est éclabousse. Ouais, j'ai une Wanit. Elle se repose bien. Regarde comme ça tourne, il n'y a pas de souci, moi, ça me va. Hein. Non, parce que ma Wanit, elle chauffe la pièce, hein, si jamais je l'allume. Bon, elle chauffe pas, mais c'est le mur qui est derrière qui devient brûlant. Bon, si je peux économiser quelques watts, c'est pas un souci. Oh bah, c'est fichier de la. Ah, deux actions. Allez, on fonce. Ouais, il tirait pas assez vite aussi. Bien sûr, on n'a plus le scanner, hein, forcément. Il y a des morceaux de bras partout. Par contre, on peut rien récupérer, hein, c'est Maxi Sénat. Moi, je flâne, mais je ne devrais pas. L'herbe est verte, les oiseaux volent, les chats ronronnent, les rats ronjonnent. On n'a pas le temps de s'amuser, Murphy. Arrête ! L'alerte d'évacuation. Diffuse-la sur toutes les fréquences, et après on se bouge. Oh vache. Qui c'est qui a écrit ce manifeste? Tu veux vraiment que je réponde à cette question? Bah putain, Johnny, t'es plus en phase avec la réalité. C'est une consolade comme moi qui le dit. Allez! Tiens-toi prêt! Tiens-moi ces saloperies! Arrangez-le! Il y a du morceau de bras. Problème par ici. Alors lui, il a un morceau de bras. Comment dire, qu'il évite. Sors de là. Il va bien dans l'évidence. Putain, il a explosé la tête. C'est bien plus gore, hein. Presque en visuel. Tente-toi. Non, c'est verrouillé. Tous les codes couleurs changent, hein. On passe sur du jaune, du violet. Viens te signifier que t'es pas la même personne. Sinon chacun a ses interfaces spécifiques humaines. Johnny, la charge. C'était quoi le nom de la bombe dans Bushido 2? Dépêche-toi, faut qu'on dégage. Le démolitron. La bombe est prête. Arasaka arrive, tire-toi vite. Tire sur les câbles. C'était là ou c'est ailleurs?
tirer sur le mécanisme de l'ascenseur. Pardon. Encore mettre ça sur le sous-réseau. J'en étais sûr, putain. C'était pas une histoire de colonialisme corporatiste, hein. C'est toujours pour ta groupie, c'est ça? Ah, non, tu comprendrais pas, Rob. Chier. T'as 4 minutes. Après ça, on se tire et tu te démerdes. J'ai pris... Verrouillage de la porte désactivé. Les trous de balles d'Arasaka arrivent. Je t'adore, Spider. Tout le monde m'adore. Bien, t'as un petit avant-goût du coup. Allez, au fond ! C'est pas une arme de dingue déjà. Quand tu vois les dégâts que ça inflige, c'est limite un fusil le truc. C'est un shoot gun. J'adore l'animation des armes, c'est top aussi. En plus, ta barre de vie, elle est vraiment beaucoup plus grande. Hein. C'est énorme. J'aime pas comment tu galères comme ça. Je pense les décors qui se pètent et tout, c'est énorme. On a quelques bugs, hein. Quelques bugs comparés. J'ai été bloqué par un procès. Feu ! Ça c'est fait. C'est vraiment du démembrement à ce niveau-là. Pas besoin de récupérer les armes. Vraiment, on a l'impression d'être invincible. La vie qui se recharge toute seule. Est-ce que c'est une mission qu'on peut louper, franchement? Pour l'instant, en tout cas, on ne dirait pas. Approche du point d'accès. Connecte-toi. Sympa le brise-glace, c'est de l'import. Si seulement quelqu'un savait comment changer le protocole du sous-réseau. Très drôle. Tu vas m'aider ou pas? Besoin de mes services? Ah, mais il suffisait de demander. Merci, Murphy. Et maintenant, pour la forme. Putain de ta cybermère, on passe à la télé. Nous tournons à présent vers la tour Arasaka en cours d'évacuation suite à de terribles menaces de la part d'une organisation terroriste non identifiée. Cette dernière affirme vouloir, je cite, « renverser un symbole du colonialisme corporatiste ». Mbole Ebunike, le maire de Night City, a déclaré que tous les moyens seraient mis en œuvre pour enrayer et éradiquer la menace terroriste. Nous rejoignons à présent notre... Il y a beaucoup de trucs qui sont inspirés de Robocop aussi, j'ai l'impression. La lumière sur ces événements à mesure qu'ils se déroulent. Tout est paré. Bon, allez, cassos. Les vieux films Robocop, hein, j'ai pas vu les plus récents. Le ou les plus récents. J'avais tellement kiffé Robocop 2. Aïe. En parlant de Robocop. Merde, c'est Adam Smasher. On dirait le nom d'un catcheur. Donc là, en fait, on était dans quoi? Dans un truc sensation, là, je sais plus comment ça s'appelle. Murphy. La porte est verrouillée, mais elle tiendra pas longtemps. Fonce, Johnny, à toute vitesse. On a récupéré des souvenirs.
Smasher. Je te l'avais dit, Johnny Boy. Je t'avais dit que je te tuerais un jour. Merde, le bras. J'ai l'impression que je reviens un souvenir là, avec la machine à sensation, là, je sais plus quoi. Sensuel. En fait, on t'a implanté un virus qui s'appelle Johnny.exe. Toute sa conscience va être transférée en toi. Il est en mauvais état, le pauvre. Hein. Ils ont fait de sacrés dégâts, quand même. Quoi, c'est ça, c'est vraiment ce que je viens de dire, là. J'ai dit au pif en déconnant. Bon, après, ça peut paraître logique, hein. On va réessayer. Tes associés, qui sont-ils? Comment as-tu acquis des matières fissibles? Tu veux pas laisser ton copain jouer le bon flic, un peu, hein? Allez! Ah mais il a retrouvé son bras. T'appartiens-tu? Bah, il a pas été arraché. Acquis des matières fissibles? Votre patron a pas l'air hyper content de votre travail. Oui, puisqu'il est encore vivant, le vieux, là. Donc on est dans le passé. Oh, excellent. Il en reste rien. Mon mari est mort dans cette tour. C'est vrai ? Mais il y a des choses pires que la mort. T'as vu le nombre d'aiguilles qu'il y a là? Ça faisait pas partie du plan. Naze konoyo nakoto. Pourquoi avez-vous fait ça? Parce que quelqu'un doit mettre un terme à votre folie. Hito wa uso tsuki, jibun jishin wo azamu. だが死者は違う。死者は雄弁だが、彼らは決して嘘をつかない。死者の言葉には慎ましさがある。始めろ。 C'était un interlude, hein, il me semble, hein, au début, le titre. Hein. Ou inter quelque chose, en tout cas. Purée, on est de retour dans Matrix. Donc voilà. J'adore ces effets là. Ces effets de matrice un peu.
T'es qui ? Ils ont tous les deux été dans le même purgatoire, on dirait. Purgatoire numérique. Les gens ont-ils encore un cerveau à cette époque-là, hein ? Est-ce que leur conscience n'est pas juste injectée dans des ordinateurs en fait qui ont une apparence de corps humain bien sûr, de cyborg. C'est quand même la question qu'on se pose. Il y a quelques bugs graphiques mais bon on va les pardonner. On ne sait pas trop si c'est bon ou pas. Niveau mise en scène, ils auraient pu faire des films et des films. On sent quand même qu'il y a... du travail. Ouais, le sujet abordé, ouais, l'histoire de la conscience, de l'âme, est-ce que le corps humain reste notre véhicule pour toujours. Là, c'est sûr qu'à force de remplacer des membres, ils ont dû penser à remplacer le cerveau aussi à un moment donné. Il y a beaucoup d'œuvres de fiction qui en parlent, d'ailleurs, enfin, qui effleurent le sujet justement. Il y a pas mal de livres intéressants sur le sujet, que je n'ai pas forcément tous lu. Oh, la vache est lourde. Bon, écoute mec, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Alors, j'aimerais bien qu'on négocie. Oh. Ah bah voilà, ça c'est fini. Tu vois, qu'est-ce qu'il arrive quand on fait tout ce que l'on t'a demandé. Arasaka-sama. お父様の殺害犯を見つけました。この男で間違いありません。はい。1時間後には着くかと。 Ah, c'est marrant, c'est énorme. Cet univers est vraiment à découvrir. Hein. Surtout pour ceux qui, comme moi, découvrent tout ça via ce jeu. N'ont pas joué au jeu de plateau ou lu des livres. C'est vraiment un univers intéressant en tout cas. Qui a été créé dans ce jeu. Dire que là on vient juste de finir le prologue, hein. On a fait plus de 10 heures de jeu. Bon alors 10 heures en stream et. En découverte, c'est pas pareil que 10 heures peut-être dans un contexte normal de joueur. Hein. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup explorer, donc je perds beaucoup de temps. Hein. Ce qui pourrait prendre 3 minutes en prendre 10. Mais donc là, je pourrais pas dire au bout de 10-12 heures, je pourrais pas dire que je serais capable de sortir un test là, c'est sûr. On est tellement au début, j'ai l'impression. Y a pas un moment où on va s'ennuyer, hein. Ça c'est sûr. Hein. Donc là, je vois pas mon arme. Ah, ça y est, elle a fini de charger. J'ai cru qu'elle s'afficherait jamais.
on perd un peu sur le stream de texture et d'objets hein. Dans cette mise à jour. Cette mise à jour, je pense, était plus light en termes d'usage mémoire. Un screen là. C'est un Terminator le truc. Cette séquence est juste énorme. J'arrive pas à tirer. C'est clair que niveau souffle, bon. Je suis étonné d'à quel point ça tourne bien quand même. Hein. Même si c'est pas du 30 FPS. Plutôt à 20-25. Ne ferme pas les yeux. Merde. Nous avons tous les deux besoin de soins. Tu connais un charcudoc de confiance? Je connais... quelqu'un? Nous devons aller voir un charcudoc. Vite! Victor... il nous aidera. Il faut qu'on aille là-bas. Ça, c'est de la séquence, hein, quand même. Qui tu veux? Pourquoi je me laisse pas tomber? Je suis un poids mort pour toi. Passe l'appel. Ok, c'est bon. Bonjour. Selon mon scanner, vous êtes hors de la zone de service. Viens vite. Viens me chercher. Je dois aller chez Misty, ses antériques. Devant chez Vic. Certainement. Un véhicule est en route. Il devrait être là dans moins de 20 minutes. Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Purée, on peut pas dire avec ce jeu qu'on n'est pas surpris à un moment donné, qu'on n'est pas... bouleversé, je sais pas, parce qu'il y a, vraiment... un travail de scénarisation. Insérer le connecteur sous son oreille. Assez dingue. Mais pas trop profondément. Les neurosupports auxiliaires se situent entre ses ganglions lymphatiques, sous le muscle SCN. Si je me trompe et que je touche une veine, il meurt. Certes, mais il mourra aussi si vous ne faites rien. Je crois que je vois les supports. Vous pouvez le connecter. Non, le travail est là. Hein. Après, je sais pas si certaines personnes ont été attendaient quelque chose et ont été déçues parce qu'ils ont eu autre chose. C'est possible. Parce que quand j'ai lu que voilà, ça cassait pas trois pattes à un canard, qu'il n'y avait pas l'œuvre derrière comme pour The Witcher, pour cadrer le truc et tout. Enfin, pour l'instant, même si ça part un peu dans tous les sens.
Le fil conducteur y est quand même. C'est votre sang. Puis après, voilà, il y a des choses qui nous dépassent pour l'instant. Il faut aussi accepter que des choses nous dépassent, qu'on ne puisse pas tout comprendre dès le début. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal en général. Sa pression chute. Même pour un film, hein, des fois, on n'aime pas être trop baladé. Il va falloir que je transperce l'os occipital. J'ai pas d'autre choix. Il y a un risque de... Je connais les risques. Moi, je m'attendais absolument à rien. Je savais même pas si... Enfin, j'étais même pas certain que ce soit vraiment un FPS, qu'on n'aurait pas du TPS, que... Je savais vraiment pas à quoi m'attendre, parce qu'avec tous les trailers qu'on a vus, c'était des trailers qui montraient beaucoup de choses, mais pas vraiment la totalité de ce qu'on voit là, quoi. Donc, pour l'instant, voilà, je ne ferai pas comme Dewey qui disait « je m'attendais à rien et je suis quand même déçu », puisque c'est faux. Je m'attendais à rien et je suis pas déçu, donc c'est déjà cool. C'est une bonne chose. Après, est-ce que je suis bon public ou pas, je sais pas. Voilà, après moi j'ai suivi en pointillé. Hein. J'ai vraiment pris la console parce qu'elle me plaisait esthétiquement. Donc le jeu était avec, je me suis dit bon voilà. Hein, je ne l'aurais peut-être pas acheté si j'avais pas pris la console avec. Je sais pas, si je l'aurais pris par curiosité peut-être à un moment donné. Peut-être passer à côté, franchement, j'ai l'impression qu'il faut pas passer à côté, justement. Et pour l'instant, ma foi, l'expérience sur One S est acceptable, on va dire. Franchement, c'est pas la meilleure version à faire. Tu m'entends ? Peut-être que je la referai dans un an sur la One X. Ou sur Série X, si je l'ai entre temps. Comment tu te sens ? Je pense que ce sera le meilleur moyen d'en profiter dans de bonnes conditions. Merde. Je sais pas, mec. J'ai les oreilles qui sifflent. Et j'ai des visions. Ces hallucinations, tu peux me les décrire ? Des projecteurs. Beaucoup de bruit. Sur scène et j'ai du mal à respirer. Tu la voulais la console en fait au moment où elle est sortie, parce qu'elle a l'air d'avoir été sold out rapidement. Mais je réalise que ça change rien. Je me sens pas soulagé. Après, un petit screen de temps en temps. Je pose une bombe dans la tour à Arasaka. Non, y a pas de quoi se marrer. Tu es Vic. J'ai jamais autant flippé. C'était trop réel. Même pour un rêve lucide. C'était pas un rêve, V. C'était des souvenirs. Il y a un construct de personnalité sur cet éclat. Ce que t'as vu, c'était son passé. Attends. T'es en train de me dire que j'ai un terroriste dans le crâne. Là, maintenant. Tout juste, Johnny Silverhand. Il a eu son heure de gloire il y a une cinquantaine d'années. 50 ans. L'attentat chez Arasaka, ça te parle ? C'était lui. On raconte qu'il a été enfoui sous les débris. Ah, enfin, c'est pas le plus important pour le moment. T'as mieux que le terroriste que j'ai dans le crâne. La biopuce, c'est une sorte de bombe. Déjà amorcée. Il te reste plus beaucoup de temps à vivre. Quelques semaines. Grand max. Le construct de Silverhand écrase ta conscience. Il va s'emparer de ton corps petit à petit, jusqu'au jour où tu disparaîtras. Super. V, c'est important que tu comprennes bien. Tu vas arranger ça, hein ? Vic. Si je pouvais, je le ferais, V. Tu peux me croire.
Mais ça, c'est... Ça dépasse de loin mes compétences. Y a pas meilleur que toi, Vic. Pourquoi tu peux pas m'aider? Alors moi, je l'ai eu à 299, Cédric. Je sais pas... Le jour tu de sa sortie. Version longue ou abrégée. Il y avait... Dis-moi tout dans les moindres détails. La promotion okay. est arrivée le même jour que la sortie avait... de la console. Il y a un construct, une psyché sur la puce. Celle de Johnny Silverhand. Tu l'as inséré dans ton port, mais il s'est rien passé. Jusqu'à ta mort. Une balle dans la tête par Dexter de Shawn. Mais comment on se relève d'un truc pareil? Petit calibre, un coup de bol. Que tu dois encore à une mauvaise décision de Monsieur de Shawn. Les nanites de la puce se sont mises à réparer les dégâts. Ensuite, elles t'ont pris par la main et gentiment guidé vers la lumière. Quand on meurt, normalement, on se relève pas comme après une sieste. Peut-être avant. Mais aujourd'hui, ça dépend. Tu peux avoir un composant corpotop secret configuré pour te ressusciter. Et moi, alors? Ma psyché? Moi aussi, je suis revenu de l'au-delà. Et quoi? Je suis censé accepter le changement sans broncher? Demande ça aux ingénieurs d'Arasaka. Moi, tout ce que je sais, c'est que ton esprit va partir. Et que ce sera pas joli. Du point de vue de la biopuce, les cellules de ton cerveau sont une tumeur qu'il faut exciser. Et ton corps, une coquille vide pouvant contenir le construct. Alors cet enculé de terroriste veut m'effacer et me remplacer? Il veut prendre mon corps? Il le fait pas consciemment. C'est automatique, instinctif. Et aucun de vous ne peut l'empêcher. Putain! Je connais ce truc. Ils en font la pub. C'est quoi déjà le slogan à la con? Machin votre âme. Protégez votre âme. C'est ça. C'est simplement censé te permettre de parler avec des constructs. Peut-être. Mais celui-ci, c'est un prototype au vu de la finition. Sorti je sais pas comment des labos d'Arasaka. On peut pas juste enlever la puce? Ou la désactiver? Non, c'est hors de question. Tu mourrais instantanément. Vic, t'as toujours été là pour moi. Si tu peux vraiment rien faire pour m'aider, alors... Qu'est-ce que je vais faire, putain? Tu peux me le dire? Vic! Si seulement je le savais. Misty! Tu lui en demandes trop, Vic n'est plus tout jeune. Viens, V. Je te ramène chez toi. Bon, très bien. Bon, là, il est bientôt minuit. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé quand même, hein, en 3h30 passées. Je pense que pour ce soir, on va s'arrêter à la prochaine sauvegarde que l'on peut faire. Je trouve qu'on a découvert énormément de choses. Il y a eu de belles phases d'action, ça fait plaisir. Belle phase de conduite aussi, même si ça a été plus court que ce que j'aurais voulu sur le long terme. Et il est mort. Une belle découverte en tout cas ce jeu. Que j'allais crever aussi. Bien content qu'il avec continue lui, à tourner correctement, puisqu'on n'a pas eu de plantage à nouveau, ça c'est très 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 bien. Dormir, c'est comme un aperçu de la mort, de l'inévitable. Je sais même pas si je suis réveillé ou pas là. Après tout... Je suis peut-être déjà mort, non? Tu devrais pas penser à ça, V. Alors, je pense que oui, effectivement, c'est là qu'on va commencer vraiment... J'ai des médocs à te donner. Des oméga inhibiteurs. On va vraiment commencer l'aventure... Prends-en régulièrement et ils empêcheront les choses d'aller trop vite. Et puis, ils devraient aussi calmer les ardeurs de ton invité. Pseudo-endotrésine, ça c'est de moi. Ils ont l'effet inverse. Ça va accélérer le processus. Libérer la bête, si tu veux. En tout cas, je vous suis très reconnaissant à ceux qui viennent régulièrement sur le stream. Tu me files des cachetons pour booster ce fils de pute?
pour qu'il me bute plus vite. C'est bien de découvrir ce jeu à plusieurs. Tu vas te sentir bien au début. Mais au bout d'un moment, ça risque de devenir un vrai calvaire. C'est bien de discuter avec vous, de... On peut tromper le cerveau. D'échanger. Il suffit d'un bon analyse. C'est un sens unique, donc c'est cool. Ta psyché va mourir, V. Tu vas avoir l'impression... Voilà, j'ai eu deux gros freeze quand même en voiture. À un moment, un autre aussi en sortant. Ce sera terrifiant. Et bon, j'ai eu des bugs, mais... Mais avec ça, ça peut bien se passer. Bon, j'ai vu vraiment pire en vidéo, donc bon, là je m'en souviens même plus de ces bugs, mais après c'est des bugs de collision, oui, mais des trucs qui s'affichent pas ou plus. C'est vraiment ce que tu veux. Faut que je m'allonge. Bon, vu le nombre, la myriade de choses qu'il y a dans ce jeu, quelque part je trouve que c'est presque pardonnable. Hein. Tiens, j'ai aussi ça pour toi. Comparé à un 13 qui est tellement plus simpliste. Vic l'a extraite de ton crâne. Ça fera un bon scénario, dans sa progression, dans ses possibilités. Et dans le 13, t'as un bug par minute. Hein. T'es pas au courant? Je suis en phase terminale. Alors à quoi bon? Oui, 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 on est loin faut des pas vidéos. Dire ça. De toute façon, c'est très facile, dans comme je disais, à joueur énervé cet après-midi. Et ne laisse personne. C'est très facile de ne montrer que le positif ou que le négatif, hein, tu filtres. Hein. Évidemment. Moi, je peux te sortir plein de screens aussi où il n'y a que le pire, et puis je dis voilà, le jeu, c'est tout le temps comme ça. Ou je peux aussi choisir mes screens, mes vidéos, dire bah regardez, ça tourne impeccable, j'ai pas eu un seul bug. À propos de Jackie. Oui. Il parlait de toi. Sans arrêt. Bon, elle a les cheveux qui partent un peu. Juste avant qu'il parte pour cette mission. Il t'en voulait pas du tout. J'espère que tu le sais. Ils sont bizarres, ces cheveux. Hein. Et on dirait qu'ils sont vivants. Mais j'aurais aimé que nos derniers moments ensemble se passent. Autrement. Ouais. Mais pour l'instant, tu dois te reposer. Non, je pense que c'est deux jeux différents. GTA, t'es vraiment tout le temps dans la rue, en voiture. Tu passes pas autant de temps à... Donc là, t'as pas le choix, c'est dodo ou rien. GTA, c'est que de la voiture quasiment. Après, tu sors, tu déglingues des gens, etc. etc. Mais... Et voilà. Non, puis là, il y a énormément de détails de scénarisation. Il y a... Dans GTA, il y a beaucoup de scénarios aussi, mais c'est pas à ce point-là. C'est un autre registre, on peut pas tellement comparer en fait. Hein, vraiment, c'est, on peut pas dire voilà, GTA est mieux ou Cyberpunk est mieux. C'est deux trucs qui ne valent pas la peine d'être comparés. Faut que je me tire d'ici, tu m'entends? Et je tuerai tous ceux qui m'en empêcheront. Toi y compris. Il me faut une clope. Où tu planques ton paquet? Est-ce qu'on peut sauvegarder à ce stade? Pas pour l'instant. Shit. C'est là que tu te vois que t'es... Tu vois que t'es tout le temps dans un scénario. Tout le temps, tout le temps. Je fume pas. Alors va en acheter, bordel, il m'en faut une. La dernière. Putain! Oh putain! Dans quel genre de bordel j'ai pu aller te chercher? Putain, mais disparaît! Une petite capture. Pour qui tu bosses? Réponds-moi! Merde! Non, arrête!
Je vais prendre le contrôle. Je trouverai un moyen. En train de se taper la tête. Tu m'entends, non ? Foutre, sale connard. Non, pas comme ça. Fous-toi un cracheur dans la gueule et presse la détente. Je peux les sentir, nos esprits qui se touchent. Je suis comme du moisi sur un fruit. Je t'envahis peu à peu. Je peux même pas le contrôler. Oh, tu m'entends? Putain, je gerberais si je pouvais. Non, oh, c'est juste une copie de mon engramme. Forcément ailleurs, c'est obligé. Si ça tombe bien. C'est dommage que j'ai pas la touche chair, hein. On n'aurait pas tous ces problèmes. Et je pourrais les prendre plus souvent. Donc voilà, lendemain de cuite sous la douche avec des reflets merdiques. Des reflets dans l'eau qui sont. C'est même pas la peine de les mettre à ce stade. Voilà, donc là je pense qu'on va pouvoir sauvegarder. On va sauvegarder, yes. Alors par contre, on a atteint notre quota de sauvegarde, j'ai l'impression. On va dégager les premières. Déjà, on va virer la première et puis on verra après. Nouvelle sauvegarde. Donc, on n'a pas de sauvegarde infinie, c'est dommage. Je pensais. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 sauvegardes en tout sur console, voilà. J'imagine que c'est pour ne pas encombrer le cloud de Microsoft et de Sony quand tu fais des synchros de sauvegarde. Voilà. Cette sauvegarde signe la fin de notre stream donc sur Cyberpunk en version 1.04. Merci du fond du cœur d'être venu. Ça fait très plaisir en ce dimanche soir de terminer le week-end avec vous pour avoir découvert quand même une belle portion de Cyberpunk. Un jeu qui quand même, je pense, malgré les critiques, les bugs, etc., vaut le coup d'être découvert, même si on n'est pas fan du genre, hein. Moi, je ne suis pas forcément fan. Alors, fan de l'univers cyberpunk, oui. De la mécanique RPG, de l'ultra scénarisé. Alors, RPG simple, oui, mais RPG compliqué, non. Scénarisé à l'extrême, pas forcément. J'aime bien quand on est un peu dans un truc qui nous emmène un peu comme dans un film interactif, mais avec un peu plus d'action, plus souvent. Là, c'est vrai que le scénario dans cette partie-là, du début, a été très imposant. On sent que le scénario prend le pas sur un peu sur le joueur, hein, sur l'interactivité, tout simplement. Mais voilà. C'était très sympa, en tout cas. Merci à tous. Bonne semaine à vous. Passez une très bonne nuit. Et puis, voilà. Hein. Je pense que peut-être on continuera les streams sur ce jeu, mais on continuera pas indéfiniment parce qu'on va pas faire 40 heures de stream par exemple. Je pense que voilà, on fera peut-être un stream ou deux encore, puis voilà. On verra comment ça évolue, puisque peut-être il y aura beaucoup de choses à découvrir, on sait pas. Et après, bon, mais peut-être que je vous ferai découvrir d'autres jeux entre temps. En tout cas, voilà, ben merci à toi Lionel, merci Cédric d'être passé aussi. Ça fait très plaisir de vous voir régulièrement sur le chat et voilà, de vous voir participer. Merci beaucoup.
Bon courage à vous deux, bon courage à tous ceux qui sont passés, merci à eux aussi, et merci à vous qui regardez les rediffusions, qui sont disponibles pendant 14 jours. Voilà, et après je les upload sur la chaîne de Chromabox sur YouTube. Donc certainement que les vidéos cyberpunk y figureront. Allez, bonne nuit, et je vous dis bah, plus tard sur Twitter ou ici. Voilà, à bientôt.